Tour 139. Donc, dans un totaloir, tu as de la nourriture. Et en fait, il se passe un truc, c'est plus t'as d'armées, plus chaque armée te coûte cher. Par exemple, si ta première armée te coûte 2000 de nourriture, ta deuxième armée te coûte 2000 de nourriture, en fait, les deux ensemble, elles vont chacune te coûter, on va dire, je sais pas, par exemple, 3000 de nourriture chacune. Donc en fait, plus t'as de héros, plus ça te coûte cher. Ce qui fait que c'est, dans ce jeu, plutôt compliqué d'avoir deux armées complètes. Si tu veux avoir deux armées complètes, il va te falloir beaucoup beaucoup de villes. Là, si on regarde l'empire qui est le mien actuellement, qui va là 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 là, ici 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 ici, t'as là, j'ai tout ça, j'ai tout ça, j'ai là, j'ai là, j'ai tout ça encore ici. Ensuite on continue, j'ai en plus j'ai là, je suis en train de récupérer ici. Si on descend, j'ai ici, j'ai ça. Donc tu vois, j'ai quasiment la moitié de la map. J'ai quasiment la moitié de la map et pourtant avec la moitié de la map, j'ai une, deux, trois, quatre. J'ai 4 armées, 5 maximales. J'ai actuellement 5 armées maximales alors que j'ai la moitié de la map. Donc en fait, souvent, pour avoir une bonne économie, il faut dans tout ce qui est important, c'est-à-dire dans la ville principale, tu mets un maximum les trucs qui boostent la bouffe, la nourriture. Par tour, un maximum tu mets le truc qui bouffe la nourriture et dans les trucs qui font de la nourriture, en fait, t'en mets un maximum. Tu fais tous les quais possibles qui augmentent ta nourriture, tu fais tout ça qui augmente ta nourriture, etc., etc. Pour les bâtiments, tu vas galérer j'ai galéré plus de 3 quarts de la game à simplement avoir de quoi faire plus d'un bâtiment par tour. Donc tout ce qui est là, je veux dire, tu peux pas y faire grand-chose, mais faut pas t'étonner que tu galères d'ouf à faire un bâtiment par tour max. Là, par contre, c'est la nourriture et même là, regarde, je suis en malice de nourriture. Là actuellement je suis en malus de nourriture alors que j'ai la moitié de la map et j'ai 5 armées. Donc ça montre bien que c'est quelque chose qui est très difficile. Et en fait c'est beaucoup ça. Comme au final les différentes factions n'ont pas beaucoup d'armées mais toutes les villes sont les unes à côté des autres, tu passes beaucoup de temps à défoncer les mecs de ville en ville en essayant de les choper dans la campagne. Voilà. Donc en fait le secret c'est ça. C'est dès que tu peux faire tous les trucs de boost. Dans tous les trucs là, tu fais tous les trucs qui peuvent rapporter de la nourriture. T'hésites pas à faire le plus 300 de nourriture, moins 70 de croissance. C'est pas dramatique parce que justement tu peux faire un ordre qui augmente la croissance. Et tu fais tout ce qui file de la bouffe. T'essaies pas de faire des postes de guet. Les postes de guet, le truc de nourriture, tu peux pas te le permettre. Les postes de guet, c'est vraiment important que dans les capitales parce qu'en plus ça te file un gros malus de bonheur. Donc vraiment, le point, c'est pas faire beaucoup de postes de guet et te dire que les capitales des régions, tu veux les garder avec les postes et que les petites villes, tu peux les perdre à tout moment, les récupérer derrière. Voilà. Bonjour Flozy, bonjour The Dooft. Je suis perdu car si j'ai pas de bouffe, mon armée s'amuse. En fait, faut que t'aies qu'une armée. Vraiment. Faut que t'aies qu'une armée full. En fait, c'est voilà, c'est moins cher d'avoir une armée de 20 que deux armées de 10. Et faut aussi te dire que perdre tes villes comme les villes de province là, tu t'en bats les couilles. Tu vas tout le temps les perdre. Moi, je vais passer du temps. Je vais passer les plus trois quarts de ma game à perdre des villes, à les récupérer, perdre des villes, les récupérer. Les seules qui sont vraiment importantes, c'est les capitales. C'est les capitales que tu dois vraiment essayer de défendre, c'est-à-dire celles avec les murs, hein, Argos, Mycène ou et compagnie, mais le reste tu t'en. Tiens. Le reste t'en bats les. Le reste tu t'en bats vraiment les steaks. Également, essayer un maximum de jouer avec la diplomatie. Pas hésiter à souvent appuyer sur le bouton 7, c'est le raccourci, et regarder en accord rapide avec qui tu peux faire des pactes de non-agression, avec qui tu peux faire des accès militaires. Là, je vois, hop, accès militaire, bim, on leur propose tout de suite. C'est toujours ça, plus t'as de relations avec les gens, moins ils ont de chances de vouloir te mettre la bite. Et donc, en fait, aussi régulièrement appuyer sur 7 pour voir dès que tu peux. Genre là, hop, Flegré, ils veulent enfin faire un traité de paix, on va le faire avec eux, pas de problème. C'est quasiment le faire à chaque tour ou tous les deux tours. Regardez avec qui tu peux faire la paix, avec qui tu peux faire des pactes de non-agression pour éviter d'être attaqué dans tous les sens. Ça joue aussi beaucoup. Ça joue aussi beaucoup. Voilà. Voilà, je crois que j'ai un petit peu dit les conseils principaux. Mais c'est une bonne idée que je fasse une vidéo là-dessus. C'est une très bonne idée que je fasse une petite vidéo sur comment bien débuter Total War 3. Vu qu'il y a beaucoup de personnes qui vont certainement débuter avec, vu qu'il était gratuit. J'essaierai d'en parler tranquillement. Et genre, quand on est positif, on demande de la bouffe ou pas? Non. Parce qu'en fait, si tu leur demandes de la bouffe ou si tu leur demandes des trucs, ça baisse ton feeling avec. En fait, plus tu les souilles, moins les mecs ils vont te kiffer. C'est pas étonnant quoi. Un mec qui est plus fort que toi, en fait, voilà. Le mec qui te rackette pour te demander ta boulette de drogue à la sortie du lycée. Genre même si c'est deux fois plus grand que toi et plus balèze, tu vas pas le kiffer.
Là, si les mecs, tu leur piques tout leur blé et qu'après ils crèvent de faim, t'as beau être plus fort, ils vont pas te kiffer. Et dès qu'un mec te déclare à la guerre, s'ils pensent qu'ils peuvent, ils vont venir te poignarder dans le dos. Ils vont venir te poignarder dans le dos. Moi, je redemande jamais. Je demande absolument jamais de trucs. Je demande absolument jamais de trucs. C'est parce qu'en fait, sinon après, tu prends des malus de diplomatie. Et en fait, comme c'est un jeu qui joue beaucoup plus sur la diplomatie qu'un Total War Warhammer, parce qu'en fait, tout simplement, le fait qu'un Total War Warhammer, en fait, les villes, c'est souvent éloigné de plusieurs tours de marche là. Genre, t'as Mycène, en un tour, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au début, c'est 4 factions différentes. Donc, t'as vrai intérêt à aller voir très souvent la diplomatie, voir avec qui tu peux t'allier, pour justement éviter de te prendre éviter de te prendre des armées dans tous les sens. C'est extrêmement important. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on du coup dans d'autres, ce qui ne sont pas du tout le cas. Mais là, bon, t'as la gestion de la ressource qui n'existait pas avant. Mais t'as la diplomatie qui est vraiment très importante pour justement éviter de te prendre des coups des armées dans tous les sens. Par contre, une fois que tu commences à être gros et pouvoir confédérer d'autres régimes, d'autres armées, ça devient d'autres pays, ça devient un peu champagne. Là, à l'instant, je viens de réussir à confédérer la Crète. Ça m'a fait 9 villes d'un coup. C'est propre. Bonjour Valérius, mais ça va bien. J'espère que tes vacances se sont bien passées. Alors, du coup, parlons un petit peu. Donc, du coup, comme vous avez vu, j'ai la moitié de la Grèce. Ici, bonjour Clown de Paillage, j'ai la moitié de la Grèce. On est en guerre contre Troie, les Dardaniens, hein, les sbires de Gérard Dardan. Et du coup, on veut essayer de conquérir Troie, qui est pas ici, qui est très très au nord. Troie, pardon. J'oublie à chaque fois à quel point c'est au nord, parce qu'en fait, moi je suis là et là c'est Troie. Donc, comment c'est de prendre position au sud par Knissos, etc. Voladros, et on va essayer de remonter. On va essayer tout simplement de. Là, on est en train de prendre Milet, on est en train de prendre Samos. On a notre armée qui descend. On a récupéré Halicarnasse, hein, c'était de l'amour, c'était gratuit. On a une autre armée ici, et dernière armée qui descend. Et l'objectif est d'attaquer le. Où est les gens, Hugues? Il est à Arkasi? Non, il n'est pas à Arkasi. Il est là. Et l'autre armée, dont l'objectif va essayer de prendre Cnidos, Kos, tout ça. Donc, un objectif d'attaquer les rivages troyens par le sud et de remonter. Alors, sachant. Il y a 8 nouvelles emotes, effectivement, pour ceux qui reviennent. N'hésitez pas à les spam, elles sont là pour ça. Et on s'est fait hier, je fais un stream de 4h30, où hier on a passé 4h30 à se battre. On a passé 4h30 à faire du à toi, à moi, à toi, à moi. C'est de prendre l'avantage, j'arrêtais pas de m'envahir, on a réussi à leur casser assez d'armées. On commence enfin à les envahir. Et du coup, en termes de force diplomatique, je suis actuellement la première force diplomatique. À côté de ça. On a également qui? On a la Dardanie qui est passée 8ème force, mais qui a encore 34 régions, donc c'est Hudge. On a également Ithaque, 3ème en force avec 17 régions, qui sont des vrais bros. On a Ptie qui sont 9ème en force avec 30 régions, ce qui est énorme. Si on les confédère, mes tours ils dureront 1h30. Et à côté de ça, on a Troyes, bon, qui n'a qu'une région, c'est la ville de Troyes évidemment, mais qui est 2ème en force. Donc on est en train de les bolosser et j'espère avec un peu de chance pouvoir finir aujourd'hui, sachant qu'à 16h, on passe sur FF14 pour l'OPSP d'Evensward en New Game Plus pour fêter le fait que le jeu sera gratuit jusqu'au niveau 60. Voilà, c'est un nouveau tour, tout vient de se lancer et on est parti. Alors, Cnidos, 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 waouh. Kos, c'est la même. Oh, ok, Kos, c'est plus facile à choper. Alors, on a Samos qu'on est en train de. Elle est où Samos? Qu'on est en train de. De siéger. On siège. On a Milet qu'on est en train de siéger également. Et à côté de ça, on va donc essayer de prendre Kos et Cnidos. Ça a l'air plus compliqué à choper. Ça a l'air plus compliqué, sachant que eux, ce ne sont pas des ennemis. Donc, on va déjà aller vers Knos dans un premier temps. Pour essayer d'attaquer la ville. Ok, ils n'ont pas d'armée là, c'est tant mieux. Les héros sont-ils intéressants à mettre dans des capitales sans armée? Non, ça ne sert à rien. Non, non. Donc là, on a Alcmaon, qui est une troupe offensive supplémentaire qui vient de sauver Dolmiche. Donc on a Samos par là, Milet par là, Antea, Éphèse et compagnie. Alors ici, on venait d'être attaqué par les Amazones, mais on devrait pouvoir essayer de leur prendre une armée pour une armée, une chose à la fois. Une chose à la fois. Donc ici, Milet, c'est ok.
Halicarnasse, on a récupéré. On sait qu'il va avoir Kos. Il ne restera que Knisdos à prendre. Milassa, est-ce qu'on a des ennemis dans le coin? Non, c'est mineur. Je me dis que tout le monde va pas vouloir nous déclarer la guerre parce que c'est la première force. Vous voyez, il y a aussi une grosse différence par rapport à notre Total War. Là, on est la première force alors qu'on a 5 armées. D'habitude, les Skaven, par exemple, c'est 15 armées minimum. Donc ça change aussi beaucoup. Donc là, je dis qu'on a Merion. Donc là, on a Alcmaon. Voilà, donc il vient arriver en renfort. La question, c'est où est-ce qu'il va arriver? Ymir, on a une armée là-haut. Knisos, machin, il n'y a rien. Ah si, attendez, je me rappelle. Voilà, il va devoir back parce qu'on avait vu que tu avais des troupes adverses qui étaient parties du nord-ouest et qui allaient se diriger vers Skyros et compagnie. Donc on était obligé d'aller dans la flotte. Yeah, je me rappelle maintenant. Allez, bon, on va aller dans la flotte, hein, tant pis. On fonce, on fonce, on fonce. On n'a pas le choix. On est obligé de garder une armée défensive. Donc ici, on avait fui. On avait fui et je pense qu'on allait pouvoir essayer d'aller défoncer l'armée de Sibir. Voilà. Victoire classique et automatique. Tranquille. Voilà. On récupère des unités renforcées. On a défoncé l'armée, donc c'est une bonne armée de moins. Et à côté de ça, on va pas faire le fou, on va juste tranquillement back vers notre ville pour pouvoir regen. On détruit une armée, à partir du moment où on détruit une armée, c'est un tour positif. Pas de raison de vouloir faire les fous. Ensuite, on a décret royal disponible, donc c'est la technologie. On a quasiment fini la technologie. Plus 15 attaques, j'utilise une milice d'infanterie lourde. Moins 15, c'est pour le tir. Dévoue une tour de siège du cheval de Troie. MDR. Moins 10 aux dégâts des projectiles. Oh. On va faire ça. On n'a pas forcément beaucoup d'or. Donc son armée est good. Tout est good. On va améliorer les différentes villes. On va améliorer Pylos. On va améliorer. Ah, oh, on peut plus améliorer grand chose. On va améliorer Kari. Vieille Carnasse qu'on vient de refonder, c'est vrai. Y faire quoi? Ah, c'est une Hudgeville à Halicarnasse, c'est une maman des villes. Ah, on peut pas y faire grand chose. Plus de bonheur, des vignobles, ça marche toujours en Grèce, les vignobles. Tu vas continuer de vénérer Zeus ou du coup tu as changé de dieu? Là, je vénère Zeus et Athéna, donc j'ai les bonus des deux actuellement. Les unités comme des espions émissaires, c'est vraiment peut les tuer. Oui, avec d'autres espions émissaires. Genre, c'est les espions qui peuvent tuer les émissaires et compagnie. C'est le seul moyen de les tuer quand ils sont pas dans une armée. Donc là, celui-là, c'est nos bros. Ok, il s'est défoncé. Ah, s'il a gagné, tant mieux. C'est encore les bros. Ça, il taxe les bros. Je vais pas en vivant rapide parce que j'ai besoin de voir ce que font mes ennemis. Et mes alliés également. Par contre, c'est les mêmes choses qu'eux. Donc la Dardanie, c'est parti. Ok. Quitte à Sarpedon, fils de Zeus. Bonjour Yolo. Voilà, donc ça c'est Zyrtacide, on les a vus passer par là-haut, donc c'est eux que je vais essayer d'intercepter. Comme on les joint à une armée, mais en fait tu cliques dessus sur l'armée. Avec l'émissaire en question sur l'armée. Je sais pas si les espions peuvent aller dedans, mais les prêtresses peuvent. Mais ça donnera pas de bonus en ça donnera des bonus en combat. Et tu les verras pas sur le champ de bataille. Différence d'un Total War où ils combattent. Alors, on veut un accord d'échange. J'accepte. Là, je suis au moment donné où même si je suis pas positif pour moi, j'accepte de faire des accords et compagnie pour remonter mon moral et éviter d'avoir tout le monde entier qui m'attaque. Allez. Ça c'est moins important. La carte s'arrête où à l'ouest? Je ne sais pas, je vais peut-être aller voir tout à l'ouest. J'y avais rien à voir donc je n'ai pas été voir. Alors. Hop. Dolus, on boost. Hop. Syphilos, on boost. Et on fait un peu de bonheur. Parce qu'on n'aura pas autant de bonheur tout le temps. Bien. Donc ça c'est une bonne chose de faite, il nous reste nos unités à déplacer maintenant. Pas forcément marche forcée. To victory!
Ok, on pourrait essayer d'aller prendre Hyde. Je suis en train de mourir de chaud, je me dis mais pourquoi je meurs de chaud? Parce que je n'ai pas mis mon ventilo. Je vois le phénix. Donc, héros et agent, il y en a un là, on l'a bougé. Là, on est toujours sur Samos. Là, on est toujours sur Millet. D'ailleurs, attendez, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut enfin prendre les villes ou bof? Toujours pas. 4 tours avant qu'ils commencent à mourir de faim. Ok, on va attendre 4 tours. On n'est pas si pressé. Millet, combien de tours avant qu'il meure de faim? 2 tours avant qu'il meure de faim, très bien. On n'est pas si pressé. Ici, on va s'occuper de Knos. Ok. Victoire de justesse. On occupe la ville. Alors, j'ai perdu quelques unités. Alors là, par contre, j'ai une armée très faible là-dedans. De la milice, des jeunes lanciers, des frondeurs. Les avant-gardiens qui sont un peu solides. On va peut-être en fait profiter de les dissoudre. Vu qu'on n'a rien d'autre en création actuellement, essayer de recruter des gens un peu plus solides. Ouais, on peut déjà recruter des avant-gardes de gens en local, c'est bien ça. Ça au moins ça cause un peu plus. 3 comme ça. Et ici on va recruter des mecs un peu solides. Est-ce qu'on a peut-être des guerriers à la hache un peu forts? Et piste lourd, ça me parle bien ça. Je trouve des hacheurs. Ça y est, j'ai trop d'unités ça. J'ai trop d'unités à pouvoir faire en global maintenant, quel enfer. Ah, il faut de la gold, j'en ai pas assez. Ah, ok, j'ai plus de gold. Voilà, on se fait au moins ridicule et dans deux tours on est une armée full. Je pense que si on n'a pas une armée full, on n'arrivera pas à prendre Knidos, la ville est trop edge. Donc cause avec Dolish, ok. Il y a ça qu'on va garder parce qu'on a besoin pour faire des géants. Cabane de bûcheron, pas besoin de cabane de bûcheron ici. On a besoin d'avoir de la croissance. Et c'est Samos qui est avec, qu'on est en train de se choper au nord. C'est marrant que Samos soit avec Kos et Dolish. Parce que Kos c'est vachement au sud. La million à Samos, c'est à Dolish là. Enfin bref, bon. C'est pas moi de juger. Pied occupé n'est pas une bonne solution. Non, ça te fait tellement, en fait, ça te fait tellement de malus de bonheur que vu que l'armée va se casser assez vite, que c'est que genre je prendrai une rébellion avant que j'arrive limiter ça. Parce qu'en fait là j'ai moins 9 de bonheur, mais ça va partir, etc. Vu que l'armée va se casser. En fait, j'aurais juste autre faction, etc. Et avec le tel malus de bonheur, ça me force à rester plus longtemps pour éviter une rébellion. Merci Matouri pour le 6ème mois avec Gaming Prime. Et merci beaucoup. Alors là, et on a vu qu'il était par là-haut. Allez, bah écoute, on a tout fait à ce tour-ci. Hop là. Toujours notre petit Guigui qui avance, une petite émissaire qui va vers 3. Ok. Alors est-ce qu'ils vont attaquer Méthine? Ils ont pris Méthylène, tant mieux. Une bonne nouvelle qu'ils prennent Méthylène, on continue à leur faire des croupières. Tu regardes les reveals de Runeterra, le spoil est toujours interdit. Je ne le regarde pas, mais tu peux en parler, si tu veux. Ok. Donc il taxe la famille hein. Alors la Dardanie, qu'est-ce qu'ils vont faire ces coquins? Ouais. Voilà, c'est bien ce que je disais. Il allait arriver et c'est pour ça que je revenais du sud. C'est quoi son armée? C'est que des épéistes. C'est une armée solide, épéiste. Ouais, il y a quand même de la milice, mais beaucoup d'épéistes. Ok, on ira aller le chercher.
Ils veulent faire un échange, yes. Ok, ils ont une armée là qui a bougé. Ça va, ça. Ils sont en guerre contre moi, moi? Pourquoi ils veulent me bourrer le... l'arrière-train comme ça, là, je les vois arriver vers moi, ils sont en guerre? Oh, peut-être on s'en fout un petit peu. Alors, récupérer le trésor. Plus de croissance. Donner au peuple. Récupérer le trésor. Défaite décisive, on s'en doutait. Une chose à la fois. Alors, notre armée, qui est justement vers le sud, elle s'en va vers Jean-Hugues. Ok, on va essayer d'aller chercher Phénops, qui essaie de faire une contre-attaque. Il ne va pas être d'accord. Ici, troupes dans le prochain tour. Ah, c'est une armée neutre, ça va. J'ai cru que c'était pas des bros. Ils sont inamicaux. Qu'est-ce qu'ils voudraient pour un pacte de non-agression? Que je leur file à Halicarnasse? Non mais jetez-vous en l'air. C'est mon langage. Hein. Donc ça, moi, on a vu que c'était pas bon, Millie que c'était pas bon. Par contre, Id, c'est pas protégé du tout. On va aller. Ah, s'il y a quand même du loup dedans. On va continuer le siège pour l'instant. Quitte à s'enfuir s'ils sortiront ou pas. Je trouve l'interface moins bien. Ah, pour le coup elle est. Je suis mis un peu de temps à m'habituer mais elle me dérange plus du tout. L'interface. Effectivement j'ai mis quelques heures à m'y habituer. Parce qu'en fait quand t'as l'habitude d'un ATH c'est dur d'aller sur un autre. Mais maintenant ça ne me dérange absolument plus. Faire ça pour plus de bois. Allez, prochain tour, on a tout le monde et on ira vers Knidos pour essayer de récupérer la ville. J'imagine que je peux pas encore confédérer. J'ai confédéré il y a pas assez longtemps. Personne n'est chaud pour un pacte de non-agression. Personne n'est chaud pour un accès militaire. Pour une alliance non plus. Pour une alliance militaire non plus. Et 3 absinthe, ouais. Absinthe quoi. Non, pas absinthe, mais absinthe. Please. Bonjour Tamouze. Sacrifice c'est quoi? Sacrifice c'est quand une prêtresse dans l'armée pour avoir des bonus. Bonjour Exo. Bonjour Bajor. Intéressant, donc il m'attaque. C'est beaucoup d'archères. Ah d'accord, il y a des renforts en plus, du coup je back. Disengage. Est-ce que c'est un terrain où je vais m'en sortir? Ils sont 2 et 18, à Hippolyte forcément. On va essayer de prendre le combat. Bonjour l'ami des chats. On va essayer de prendre ce combat. Allez. Renfort arrive par là-haut.
Je vais pas forcément ça aussi forestier, ceci dit. Après, on n'a pas tant de troupes de forestières que ça. On tâche qu'on a beaucoup d'infanterie à la lance. Ça, c'est cool. Beaucoup d'infanterie avec des boucliers, du coup on tient bien les trucs. Je vous montre à quoi ressemble comme ce qu'ils appellent le Minotaur, hein. C'est un homme avec une peau sur lui, ça reste du réaliste, c'est pas du fantastique, t'as pas de créature mythologique. Ok, on a posé tout le monde en avant. L'ennemi reçoit des renforts. Alors normalement c'est à eux de nous arriver dessus. Parce qu'ils ont attaqué, donc on va voir. Faire une petite avance rapide. Presser. Ok, des chargeuses d'Amazon. C'est vachement bien, elles sont fait défonce. C'est parfait parce que c'est une très bonne unité, ça, qui fait énormément de points de dégâts quand ça arrive à faire du flanking. Et donc le fait que j'ai pris une petite douche là, quel plaisir. Par contre, est-ce que ça veut dire que ça va contourner? C'est pas impossible. Qui fait la voix du narrateur? C'est la voix de Norgan Freemal. Ok, c'est ça. Ah, malin, c'est bien positionné. La petite douche aussi pour nous. Votre héros se fait attaquer. Ok, ça arrive aussi un peu par là, tant mieux. Ok, parfait, ça défend bien. Ok, il faut des renforts par là-haut, je pense. Et c'est un truc, c'est beaucoup plus dur de jouer sans pause pour moi. Parce que c'est beaucoup, les unités vont beaucoup plus vite. C'est beaucoup moins statique, les batailles sont beaucoup moins statiques. Parole de joueur de nain. Ça tente dans tous les cas. Ok. Vos guerriers ont repéré des ennemis dissimulés. Yes. Those at your command. Chaud. Axes. Une de vos unités n'a plus de munitions. Déjà ? Ouais, calmez-vous, vous décrochez pas trop vite les gars. Et
Ok, on fait un défi, comme ça ils sont sûrs de se combattre en 1 contre 1. On ouvre la déboîte. Ok, ça va être chaud cette bataille. Je suis désolé, je parle pas beaucoup. Il réussira tout def, c'est chaud. Ok, le Minotaur il fait le taf. Ils ont pas mal d'archers, mais je crois qu'on les fait fuir. Tout peut continuer là. Il la déboîte ou pas? Il la déboîte, ça fait ça qui est bon. En plus, on a lancé la Risti qui rend des points de vie, donc c'est cool. Là, ça fuit avec un peu de chance à fuir de la map. On leur tire dessus. Allez, fuit de la map, 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 merci. Si on pouvait blesser l'héroïne adverse, ce serait vraiment bien. Ok, c'est bon. Elle reviendra plus. C'est une de moins. A rappelé l'héroïne ennemie à ses côtés. Ok, ça veut dire qu'elle est morte. Ensuite, on va essayer de s'occuper de la deuxième boss. Petit bonus, bonus de charge. Go, go, go. Puis elle est encore dans le défi. Tant qu'elle est morte, elle peut pas sortir du défi. Ah, c'est bon. Dire quel enfer. Rappel, c'est du 2 contre 1 niveau armée. Après, on dit que même si elle est forte, c'est. Sa spécialité, c'est. Ses archers. Qu'elle est en plein doute. Pas assez de rage, j'ai encore assez de points de vie. Ok, c'est en train de fuir quand même en face, c'est bon ça. Je crois qu'on est en train de là. De leur faire suffisamment peur. Ça fuit dans tous les sens. C'est d'attaquer les dernières unités qui restent. Là, des archers qui sont revenus, on va leur tirer dessus. On va essayer de les finir aussi, comme si on est tranquille. Je vois Warg. Alors. Ok, c'est en train de craquer. Il y a tout le monde qui fuit, je crois, quasiment. Il n'a plus beaucoup de points de vie, par contre. On se met les bonus. Ouais, c'est bon, il fuit. Quel enfer. Content. Elle était chaude, celle-là. Ah. Tant mieux. Alors, on leur a détruit quoi? On a perdu 0 unité, c'est bon ça? En face, il reste Hippolyte, ça. On a quasiment tout détruit. Pour renforcer tout le monde en plus. Faut pour aller le chercher au prochain tour. Okay, donc lui vient suicider, je prends le suicide. On a perdu quoi? Épéiste de la Laconie, épéiste de la Laconie, épéiste de... Ouais, avec les épéistes de la Laconie, on leur fera. On fera un tour pour refaire des épéistes de la Laconie, c'est pas un souci. Moi, on pourra récupérer notre ville, c'est une bonne chose. Et après, ça c'est la petite ville moins importante. Dorian a fait la paix avec eux, je crois. Ah. Athéna ne kiffe plus. Vilaine Athéna. Voilà. On leur a fait du mal. Un peu ce qu'on voulait. Commençons par notre ami Alcmaon, dont le principal objectif de ce tour-ci va être de récupérer notre chenou. Voilà, donc comme vous voyez, les villes, tu peux pas les défendre. Les villes comme ça, les villes de base, autre que le capital, ça sert même à rien d'espérer les défendre. Ça changera tout le temps, quoi. Ça a tout le temps changé de troupes. Épiste de Laconie, donc, on veut récupérer, nous. On veut récupérer des épices de Laconie.
Ouais, c'est... 4 tours, c'est pas grave, on a détruit de leur armée, ça va. Donc Merion, voilà. Au prochain tour. On ira chercher Knitos. Petit leveling. Petit level max. Pas encore level max, pardon. Alors on a soit plus 10 au moral du héros, soit 20 dépôt, non, plus 10 au moral. On a un homme de morale avant tout. Donc Samos c'est ok, Milos c'est ok. Mir. C'est fort dommage de ne pas finir l'armée adverse. Quarkis. On a perdu quoi? Un épéiste de Laconie, j'ai mis le guerrier à lâche la Laconie de Renon, c'est pas grave ça. On renforce. Allez. Parfait. Donc tout ça c'est réglé. Alors la protection elle est la plus faible où? Ah, Hyde. On va aller prendre Hyde du coup. Ah non, on va pas prendre Hyde. Disengage. You can count on me. Massacre them. Alors on va faire un siège tout simplement. J'aime pas l'idée de faire un siège. Non, on va pas faire de siège. On va juste back, je suis con. On va juste back, essayer de retrouver des troupes là, c'est catastrophique. Et de points de vie surtout, on a très peu de points de vie. J'ai pas envie de me faire bolos. Je vais sauter le truc de pouvoir là. Ok, pourquoi pas. Du coup, quel dieu intervient dans la guerre de Troie? Alors du côté des Spartiate, tu as Hera, Zeus, Arès, Apollon, Athéna, Poséidon et Aphrodite. Sachant que c'est pas forcément le même côté troyen. Allez, Alcmaon. Un petit point pour le monsieur, un petit point pour le monsieur. C'est vrai qu'on manque le temps de refaire des troupes. Ouais, bon, c'est un bon tour tout ça. Ah, allez, on a récupéré la région, c'est vrai. Ce sont les mêmes côtés troyens, d'accord. C'est pas le cas dans l'Iliade. Les dieux qui soutenaient les deux camps n'étaient pas les mêmes. C'est pour ça, je pensais que c'était peut-être différent quand on jouait côté troyen, mais non, ce sont les mêmes. Il y a pu avoir Hermès, notamment côté troyen. Bon, ça se fait tout ça. Allez, fin de tour. Il doit se balader dans la Pampa, ça me permet de voir le nord de la carte un peu. Ok. Ok, deux armées d'Ulysse qui vont vers le nord, j'aime bien ça. Coucou Nitalf, bon courage pour le travail à toi. Voilà. Sarpedon qui attaque la Galonie de... Kissos. Il a que ça. Je vais essayer de prendre le combat. Si on pouvait bolosser Sarpedon, ça nous ferait du bien. Petite ville. Petite ville tout en hauteur. Ah, ça se passe comment?
ils sont en face, hein, y a pas de. Pas de tortillage de cul à voir. Hop là, je suis sûr, vous ne passerez pas. Ça arrive, wait for it. Voilà, on commence déjà un peu leur tirer dessus, ça peut pas faire de mal. 280 quoi, mine de rien. Ils sont pas tant que ça. Et oh, épique sur son char. Allez, c'est parti. Votre héros se fait attaquer. Don't hold back. J'ose pas beaucoup tirer en mêlée, c'est poli. Vos guerriers se découragent. Alors. Vos guerriers ont été mis en déroute. On a fait quelques morts ou pas? Quelques morts. Hein. C'est pas la panacée. Tellement peu de morts. Allez. Je suis rien quand même. Alors comment enlever déjà 20% de son armée, c'est déjà pas si mal en vrai. Ils sont tellement plus solides. Par Ares, vos guerriers se rallient. En avant les petits gars. Ok. Ready to serve. Oh, je sais que c'est du fantassin bouclier. De toute façon, à partir du moment où c'est sous serment de renom, je sais que c'est de l'élite. Ok, c'est bon. C'est comme vachement plus nombreux. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ils sont plus nombreux, ils sont plus nombreux, ils sont plus nombreux. On y croive. Ok, ça fuit. Et merci Kmuzun pour le 8e mois. Merci beaucoup à toi, c'est bon.
victoire est à portée de main. Mais c'est ce qu'on veut. Ok, bon là ça fuit. Après je me dis que si tout le reste de son armée fuit, peut-être abandonner aussi. C'est plus que 83, on a encore 600. Ok, ça fuit, ça fuit, ça fuit. Oh. MDR, on va éviter de prendre une catastrophe. Ok, c'est ça, il est seul. Quel enfer. Allez, c'est parti, il va aller vers... vers le point de commandement. C'est un effectif, yes. Non. Ah, en face, avec son question, il va vite. On va le rattraper quand même. Je pense qu'il aura pas le temps de tout descendre alors qu'on arrive. Ouais, il va tenter de voler la game, hein. Le coquin tente le vol de game. L'ennemi capture votre point de victoire. Ouais, ouais, je sais, je sais. T'inquiète, on arrive. On a de vitesse, mais on arrive. Coupez, pêchez-vous. Plus vite, courez. Non, on va la voir avant. Quand même, heureusement. Ah, le mec qui balance son petit javelot. Et là, il est au taquet. Ah, quand même, hein. Il rigole zéro. C'est parti. On s'en fout, défoncez tout le monde. Friendly fire. En plus là, tous ces bonus quoi encore. Allez. Et les, je pense qu'il vaut 20 et plus, donc c'est un peu chiant. On va le faire rentrer rapide. Il a gagné tous ses PV une fois. Il a utilisé son Aristide. C'est bon, il a fui quand même. Yes! Allez, la garnison a sauvé. Les unités sont dégâts entre elles. Oui, tu as du friendly fire. Si avec tes arcs tu tires sur tes unités en mêlée, tu prends des dégâts. Tout à fait. Voilà. Unité de garnison, donc on va prendre le trésor. Ah, Andromaque. Moi, oh, j'ai pas envie de le prendre ce combat. Il va être chiant comme c'est mort. Victoire à la Cadméenne, bah c'est simple, le Pyrrhus n'était pas encore né. Exo, donc il peut pas avoir de victoire à la Pyrrhus. Bien fait de faire la paix avec Chersonèse, n'empêche.
Oui, oui, les Amazones, bien sûr. C'est cela même, les Amazones. Allez. Donc, toi, 3 tours, on y va. Toi, on volait avec Knissos, mais on s'est fait voler une ville, nous. Quoi qu'ils ont pris. Ah oui, c'est ça. Après, on a Myr. On va être récupéré un, on va être récupérer un hacheur de renom. Ok, 3 tours. Kissos s'est défendu. Frondalos. Frondalos peut pas le prendre, il a juste pu prendre Volissos et encore. Pour Abak. Ok, encore un petit peu de temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, on continue le siège, c'est bien ça. J'ai eu un doute à un moment donné, je crois que j'ai fait de la merde. C'était Milos ou c'était plus rapide peut-être? Milet, pardon? Pas encore. Prendre quelques temps. Et donc c'est là à cause qu'on pouvait aller non pas à Lycarnas qu'on a déjà, on pouvait aller à Knitos. Je vais dire pourquoi il veut pas l'attaquer. Quel gourgogne. Pourquoi tu construis pas un bélier? Je construis des béliers. Ils sont construits les béliers. Mais même avec les béliers, c'est chiant les gardes-siège. Ça reste les combats pas très agréables quand il y a des... Quand il y a des... Des remparts. On peut prendre un level là, madame. Alors, plus 10 au faveur généré envers Poséidon, plus 10 au faveur envers Apollo. Ni l'un ni l'autre, mais bon. Alors. Donc, dans 3 tours. Ok, donc c'est bon un peu partout. Rien à faire là, j'ai envie de dire. Y a quoi? C'est là-dessus. Allez. Alors moi, tu continues la campagne, juste arrêter aujourd'hui, fini ou non? Non, je continue la campagne si je la termine pas aujourd'hui, parce qu'à 16h, il y a FF14 avec l'OP pour le New Game plus Evan Sword. Ben, je continuerai, j'espère, finir demain. Mais comme c'est beaucoup plus dynamique, il y a beaucoup plus de combats, je trouve ça vachement plus long que sur Total War. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile de snowball, entre guillemets. Mais du coup, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus tendu longtemps, et que finalement, c'est peut-être plus intéressant dans la durée. Que Total War, à un moment donné, tu roules vraiment sur la map. Ok. Alors les Dardaniens, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ouais, je sais plus s'ils ont beaucoup d'armées les Dardaniens. J'en ai pas vu depuis longtemps. C'est pas une armée ça. Ah si, à Mytilène ils ont Paris. Que des armées. Faudra peut-être back from Myr. Je voulais attaquer les Amazones mais... Après même si on défend Myr et que pendant ce temps nos trois armées remontent depuis le sud, ça passe. Hein. Au fur et à mesure, tant qu'on défend Myr et compagnie. Still it's ok. Moi aussi, on va porter Zeus. Diplomatie, ça nous donne quoi? Ah, on peut voir si on peut confédérer quelqu'un. Oh!
J'ai pas envie de les confédérer tout de suite quand même. Quoique. Par contre, si je confédère, on va faire 3 tours. Et ce sera la fin du stream. Ah, on va le faire. Regardez ce qu'on va faire, ça va être lolesque. Ça s'appelle avoir la map en un bouton. Ouais, personne n'est chaud. Alors, on va avoir un petit peu de travail à ce tour-ci. Quand toutes les régions suivantes, ok. Petite confédération indé, hein. Évidemment. Alors. Donc, on vient de confédérer la moitié de la Grèce qui nous manquait. C'est-à-dire, on vient de confédérer là. Ça, ça. Et on vient de confédérer, bah voilà. Du coup, on a la fin de la map à l'ouest. Maintenant, on sait où c'est. Les Phéaciens ici. Fin de la map est là. Bon. Alors c'est parti. Ça va être un peu de temps ce tour-ci parce qu'on vient de confédérer 30... 30 colonies. Donc le temps de tout enlever, ça va être la violence. Le surnaturel, l'évité, les impacts, c'est bien des anecdotiques. Alors sur la game que je fais pour l'instant... Genre c'est un bonus, mais ça va pas retourner une game quoi. Enfin, en fait si t'as équilibré ça donne avantage, mais honnêtement, en tout cas en mode normal, clairement tu peux passer à côté sans que ce soit très problématique. À mon sens. Ok. Et une dîme. Tu es sûr d'avoir besoin de ces 30 colonies? Je pense que je n'ai pas besoin de ces 30 colonies. Mais je pense que j'ai plus confiance en moi qu'en l'IA. Là, il nous faut de la... Là, il nous faudra de la... Du vin, là aussi du vin, toujours du vin, chaque région c'est du vin. Regarde ces cônes dégueulasses. Ok, on n'a plus besoin de croissance là. Larissa, Fer, Yolkos, Melibé. Ouais, bah bien sûr, c'est évident ça. Sans vire, sans veut le truc pour le vin. Ah, c'est bon, il y a déjà du vin, donc on va faire un truc pour la nourriture. On va faire un ordre. Larissa, on a regardé. Melibé, c'est là. Prépateros, c'est la ville qu'on vient de péchoter. Évidemment.
Toujours du vin, rien que du vin. Valeur sur le vin. Calcium érythrée, c'est bon. On n'a pas encore fait 30 colonies là. Thèbes, voilà, Iri. C'est bon, il y a du vin. Et merci Bergengrim, une plaquette de bonheur pour les épinards. Ou une plaquette de beurre, plutôt même, pour les épinards, merci beaucoup. La plaquette de bonheur, c'est bien. Éclater l'oracle. Ok, bonheur de la province, on va faire ça, ça sera toujours ça de prix. C'est plus de bonheur de la province. Aguillon. C'est ghoul. Stinfal, c'est cool. Corinthe aussi, on avait déjà avant. Je crois que l'on est bien. Cette côte ouest. Caristos, je sais pas si on a Caristos avant. Je crois que si, Rétrie et compagnie. Alors. Bon, ça c'est bon. Bon bah écoute, on a bien, je crois qu'on a tout ici, on a joué avec tout ça. On a toutes nos petites villes, ça se passe bien partout. Olenos c'est fait. Astakos, c'était pas fait, je me disais bien je vais rater une région. Ok, là. Nécromantéon. Je me disais bien que c'est trop beau qu'on ne pouvait pas tout avoir fait. Sont faits. Plus de bronze, c'est très bien. Promontoire de harpie, ah là là. C'est plaisir. Tout ça c'est bon, on peut level up. Dodon et compagnie, c'est fait. Onkechemos, c'est fait. Bien! Bon, je crois que c'est on est tout bon. Alors par contre après de l'autre côté, on a quoi? Donc là on a rien, normal. Là c'est la guerre. C'est la guerre, ça c'est Mire. C'est ça, ok. Alors on va voir où est-ce qu'on a comme armée maintenant. Alors on a Alcméon. Il chope ses troupes, c'est bien. L'espion là, cher et inutile, ça dégage. L'espion là, cher et inutile, ça dégage. Ensuite, on a RS Boss ici. Alors RS Boss, ça va être pareil, compliqué d'en faire quelque chose. On va aller là. Pourquoi pas essayer de monnayer un truc. Parce que là il y a lui dans deux tours. Alkimos, d'accord. Il vient avec lui, donc peut-être qu'à deux il y a moyen de prendre la ville maintenant. Centre de combat. Non, toujours pas. Autant continuer le siège. Du coup toi, Alkimos. Alkimos, on va aller se friter par là-haut. Voilà, on a vu que l'armée était toute nulle. Donc ça c'est plutôt cool. Millet, on est toujours dessus. Toi, on ne va pas pouvoir la prendre, c'est ça. On va tranquillement faire notre siège, donc. Allez. On fait ça. Alors, petit Lulu, on a fait ordre.
permet de voir les endroits où on n'a pas fait. Ah, ici on avait raté. Ça, ça dégage. On veut du vin. On verra pour la suite. Et plus de ressources. Et l'objet. On level up. Et une truc de ressources. En mode, que pense du jeu après quelques jours. J'aime bien. Je passe vraiment un bon moment dessus. J'aime beaucoup le dynamisme du jeu. Qui est beaucoup plus dynamique qu'un total qu'un Warhammer. J'aime beaucoup la gestion des ressources et la diplomatie. Et par contre, ce que j'aime moins, c'est les forcément la diversité des unités. Hein, vu que t'avais pas de cavalerie à l'époque, vu que t'avais pas d'artillerie, les combats sont beaucoup moins divers et variés. Du coup, ce qui rend le côté là un peu plus redondant. Mais c'est tout. Mais sinon, honnêtement, je ne regrette pas du tout le jeu. Je trouve très sympathique. On va en prendre un. On va déjà en prendre trois. On verra pour le prochain tour, ce n'est pas déjà mort. Je crois qu'on a bougé tout le monde. Ouais, allez, c'est parti. À cette époque, il y a déjà de la cavalerie, me semble. Alors, non, le premier à avoir vraiment utilisé la cavalerie en tant qu'armée, c'est Alexandre le Grand. Et c'est quelques centaines d'années plus tard. Il y avait des chevaux, notamment dans les chars, que tu pouvais trouver sur. Notamment les chars qui étaient utilisés par les Égyptiens avant ou là par les Grecs, mais tu n'avais pas de cavalerie en tant qu'armée. Oh yes, oh, il se suicide sur moi, j'aime. Merci de me donner la ville de Samos. On perd quoi? Lancer le jeu en armure et les épices de la commune, évidemment. Si on joue à Total War pour la première fois par ce jeu, c'est simple à comprendre ou c'est fait pour ceux qui ont déjà joué. C'est pas ni plus ni moins fait qu'un autre Total War, pour le coup. Mais il y a une petite prise de main au départ, mais ça, ça sera dans tous les Total War, il n'y a pas de surprise. Mais pas plus, pas moins que les autres. Il n'est pas plus complexe. Peut-être ce qui est moins complexe, c'est toutes les différences entre les unités. Il n'y avait pas de cavalerie chez les Chinois à l'époque. Je n'ai aucune idée à Essin. Pour le coup, je te parlais du bassin méditerranéen. Il y en avait peut-être également chez des peuplades barbares à l'époque. Ce qui n'est pas impossible, mais dans l'ère de bronze, non. L'armée d'aînés n'était pas construite de cavalerie. Alors l'armée d'aînés pour les Méides, Tabiouche, c'était écrit par Virgile. Et c'est un roman, entre guillemets, un peu de propagande, écrit quasiment 800 ans après. Donc Virgile a fait des grosses libertés avec l'histoire. Donc en fait, tout ce que tu vois dans l'Énéide de Virgile, c'est pas du tout la réalité. En fait, voilà. Donc en fait, tu peux pas te baser sur l'Énéide pour savoir ce qui s'était passé à la guerre de Troie, parce que c'est écrit 800 ans après. Et le mec s'en battait complètement de la réalité historique, c'était plus un roman de propagande pour légitimer comme quoi les empereurs descendaient bien d'aînés, donc des dieux. Parce que je discute, mais est-ce que je peux prendre ce combat? Je pense, moi. Ah non, ils sont trop solides en fait. On va se replier, ça sert à rien de faire le fou. Ouais, c'était un petit peu sûr. Oh. Disengage. Ouais, j'ai vraiment pas envie de la prendre cette bataille trop chiante avec des unités nulles. Ok. On va pouvoir recréer des armées. On va avoir des sous dans cette histoire.
Au final, le seul truc important, c'est qu'on a récupéré la ville. Du sud. Vu qu'on a des velléités de passer par le sud. Allez. Oui. Allez, c'est parti. Il se passe un tas de trucs. C'est pas grave. Ok, so. On est reparti. Commençons par nos gaziers. Alors, on s'est rendu compte que... La main de Merion n'était absolument pas faite pour prendre Knissos. Qu'à cela ne tienne, on va aller en mer et remonter. On a vu que Samos a pu être pris. Par contre, on a vu aussi que Micheline, là, il faut aller lui raconter la vie. Sinon, il va nous enquiquiner. Voilà. Alors, donc on va pouvoir revenir là au prochain tour. C'est une bonne chose de fait. Plus de dégâts mêlés. Donc ça c'est fait. Donc on a récupéré Samos. Ce qui est bien parce que ça nous fait quasiment une ville complète. On a des défenses. Ça par contre on veut dégager. Et ça également parce qu'on veut plus de bouffe. Et on veut plus d'amour. Également. Alors, Millet, tiens. Voilà, ça vient à papa. On n'a rien perdu. On occupe. Millet, c'est réglé. Et c'est à moi. Alors, même principe. On va vouloir de l'amour, de la joie et de la bonne humeur. C'est quoi ça? Oh, voix, marrant. La voix sacrée. Très bien ça, et merci Artux pour le 14e mois. Merci beaucoup, mon cher Artux. Donc lui remonte vers le nord, c'est ok. Il faudra qu'on chope Knidos après. Je pense pas qu'au sud il y ait d'autres. Voilà, c'est ça. Je pense plus qu'au sud ils aient plus les temps qui kinant, donc ça on va les laisser tranquilles pour l'instant. Coucou Dracolux. Donc Millet on a, Samos on a. Donc lui qui est full PV, c'est lui qui va redescendre derrière vers Knitos. Lui derrière qui va remonter. Lui on va refaire nos troupes là à Samos. Il y avait ça à péchoter, mais du coup on est en train de remonter. Il y a quoi d'autre qui a été récupéré? Il y a Eressos qui a été rasé par Paris. C'est pas dérangeant. Ok, ça le fait tout ça. On va pouvoir refaire des troupes. Nice. Et il y a ça qui arrive dans un tour. Parfait. Bon, par contre, également ce qui nous intéresse, c'est que là on avait bolossé avec Alcméon. Ok, donc on fait bien des troupes. Iolcos, ça paraît pas mal là pour aller faire revenir un héros. Pour aller faire revenir, on a Kickstar, Dios. Je regarde si on n'est pas un mec super fort, on a déjà du 9 là. Achille, 21. Allez, viens mon coco. Faut se faire recruter. Bon. Ah, c'est ce qui arrive. Alors, en local. Déjà du lourd. Déjà du lourd en local, ça c'est bon.
Invasion parfaite, quoi. Ça fait longtemps tout ça. Plutôt prendre par là, je pense. Ah ouais, mais non, parce qu'on va en avoir besoin. Pour faire des troupes. Allez, 7 tours pour une armée full. It's ok. C'est un peu long, mais ça peut être it's ok. Bon. Alors. Donc, lui. C'est bon next turn. Là où il avance toujours vers 3. Lui c'est bon next turn. Donc on a deux armées prochain tour qui peuvent retaper. On a lui qui ira à Samos. On a Millet, on va descendre vers là. Et ça qui remonte. Ok, nos armées sont effectives, on en a une sixième qui arrive. Bueno. Par contre maintenant on va pouvoir améliorer tout ça. Melibé et compagnie. On devra avoir les sous pour tout faire, c'est l'avantage. On a un peu de monnaie. Apilos, on veut quoi? Regarde les bâtiments spéciaux. Oh, il y a quoi? Ah, Dieu, des bains propres. Mettre des bains, du coup. Les fameux bains de Pylos. J'avoue que je ne connaissais pas. Arakthos, c'est Dolopi. Alors, un petit peu de bouffe, on n'est jamais contre. C'est comme le vent, on n'est jamais contre. Non, mais on pourra même pas tout faire dans le même tour, comme quoi ça tape trop dans nos ressources. Pour qu'on puisse tout faire en un tour. On a du vin ou pas d'ailleurs? Non. Ah! Non, c'est bon. Et pire. Je m'appelle. Les tours iront un peu plus vite après. Voilà, on est clairement la force numéro 1 du monde. Maintenant, il faut concrétiser pour bolosser les ennemis. Ça du coup. Ah, on avait ça. Hop. Et l'Opia. Plus de terre arable. Allez. Ça c'est pour les bonus pour pas que ce soit trop la merde. Ah, si on a plus de bois. Ah, on a plus de revenus. Ok. Bon, ma petite fin de tour. Allez, c'est reparti. Bah, Tic-Tac va vers le sud, a complètement Itac qui a FF la guerre, se dit, oh, on va leur laisser. On va leur laisser NP. Nos amis d'Ardania sont pas très gentils, hein. Ils me laisseraient frais la paix, je prendrais 3, je leur foutrais la paix aussi, hein. J'aurais pas de problème. Mais bon, ils veulent faire les shows. Donc on va devoir leur expliquer la vie. On va leur expliquer la vie. Et Aenos. Très bien. Alors, Akildemo amical, oui, on va essayer de garder des liens amicaux. Avec tous ces gens.
qui m'aime pas parce que je suis une trop grande puissance. Allez. C'est parti. Donc, en avant, on a beaucoup d'actions à faire à ce tour-ci. Comme tous les tours maintenant que je confiderai la moitié du monde. Si on faisait un petit tour diplomatique, bon, force stratégie 1. Ouais, la trace, même pas chaud pour faire un truc. Accès militaire, personne. Alliance défensive, personne. Alliance là. Ah, je suis devenu too big. Hein. Je suis devenu trop gros, les gens, ils veulent plus. 32 colonies, ils en ont repris une, c'est troisième force. Je crois qu'on est devenu trop gros pour que les gens veuillent bien faire un truc avec moi. Tant pis. S'ils veulent rien faire, on fera la guerre. Alors, Périphas, c'est pas que je t'aime pas, mais je te dissous. S'ils veulent pas faire l'amour et la confédération, on fera la guerre. Chacun ses emmerdes. Ah, on est reparti. Il y a quoi le plus proche là-haut? C'est toujours pareil, hein, c'est Myrina et Polyoshini. En vrai, si on arrive à tenir cette île, c'est très bon, parce qu'on est juste à côté d'Imbrasso, juste à côté de Troyes. Et genre, si on peut défoncer leur armée au fur et à mesure en prenant ça, on pourra remonter avec le reste, donc on va essayer. L'armée est solide. Alcmaon, c'est pas le dernier des cons. On peut espérer. Ça va être là tranquille, au prochain tour on y va. Continue à parler de Merion, qui lui va remonter, il va aller vers Antea, Éphèse, peut-être s'occuper des Michelines. Ok, toi tu vas là et on recrute localement des chars. Je suis pas trop un homme char. Je suis pas trop un homme de char. Je suis un homme des pistes de la Laconie. Et pourquoi pas un petit mec solide à la hache. Un soldat à la hache héroïde par exemple, je t'aime bien. Tu me coûtes cher en or, mais je t'aime bien. Ok, donc ça c'est cool, 3 tours on les a. Lui se déplace, lui se déplace. On a le monsieur à Millet. Monsieur à Millet, il peut aller à Knitos. Non, pas comme ça par contre. Voilà, comme ça on continue à rejoindre tranquille. On n'est pas si pressé. Cocos, on est là. Ici on veut des vignobles, hein, comme partout. On veut augmenter le bonheur, on veut que les gens soient heureux. On leur donne du vin, ça marche hein. Ça marche. Ça marche toujours. Alors, Démolion n'a pas été déplacé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois avec Démolion? Du coup, il y a Éphèse, Tyra, mais là, on a dit qu'il y a lui qui est arrivé pour prendre ses villes. Elles sont pas très défendues, je crois. C'est ça. On devrait pouvoir y arriver. As-tu des femmes dans tes armées? Si tu as des Amazones ou des sirènes, tu peux avoir des femmes, effectivement. Et au prochain tour, Temnos, voilà, c'est pas très protégé, on a Jamir. Ok. Les harpies, exact, les harpies aussi, sont des femmes. Donc, Myr, ça bouge. Il y a qui va aller là-dessus aussi, par contre. C'est lui qui va aller là-dessus, quel con. Avant qu'Androma qui devienne ingérable. Donc ça, on refait des troupes, ça c'est bon. Là on va aller prendre la ville. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6ème en cours de création. Ok, on peut s'occuper des bâtiments maintenant. Tu peux nous parler un peu de la config requise pour le jeu? J'en ne sais absolument rien mon cher Illyrius de la config requise pour le jeu. C'est quelque chose que je vous ne plus du tout regarder. Les configs requises. Des os, pas des os, je suis désolé. Vraiment, je ne sais pas ce qu'il faut comme config requise pour le jeu. Vraiment, je n'ai absolument aucune idée. Je sais que c'est moins que Total War Warhammer. Je sais que c'est moins que Total War Warhammer. Ça, je sais à 100%. Ah. Ah, est-ce que c'est un plantage du jeu?
Et mesdames et messieurs, nous sommes sur un implantage à l'ancienne. Le plantage, ah là là. La game trop lourde. La game beaucoup trop lourde. Complètement ingérable. Bon. Terrible. Alors voilà. Clairement, je n'ai pas la config requise. Quel con. C'est honteux, monsieur, c'est honteux. C'est complètement honteux. Non, vraiment, je ne sais plus quoi dire. Je ne veux plus rien dire. Tadam! Alors, est-ce que ça fonctionne cette fois-ci? J'espère. Hop! Allez, relançons. La guerre! Come back to war. Ah, j'espère que ça va marcher. J'espère que ça va marcher. Sinon, j'aurai l'air d'un con. Croisons les doigts. Allez, allez, marche, marche. Ah, ok, est-ce que par contre, je crois que j'ai tout mon tour à refaire. Je crois que j'ai tout mon tour à refaire en fait. Ouais, ça, j'ai tout le tour à refaire. Bon, du coup, c'est bien. On va aller avec, avec Jean-Hugues. On va aller. Ah! Ah, est-ce que ça fait sauvegarde au moment du tour précédent? Ouais, c'est ça. Ça sauvegarde avant le début du tour. Fait une avance rapide. Il y a rage quit, trop de choses à gérer. Et la scène, mais alors sachez que la scène, il se passe rien pour l'instant. La scène, c'est exactement le. C'est exactement la pose que vous aviez vue avant. Voilà, avec exactement le même accord d'échange. Avec tout pareil. Voilà, donc sachez que vous n'avez rien raté. Parce qu'en fait, ça sauve à la fin du tour précédent. Donc là, j'aurai mon tour à refaire où ça avait planté. Bon, la différence, seule qu'il y a, c'est que je vais pouvoir. Faire bouger lui pour cette fois-ci aller attaquer Andromaque. Ce que je ne pouvais pas faire avant, il y a Arcelias, donc on va lui rechercher les troupes qui désiraient. Les épices de la Laconie et. HROX, c'est tout bon. Ah, tandis que je vais voir si j'arrive à pécho. Viens Oli. Oui. Oui. Oui, c'est moi. J'essaie de vous. Ah, je sais pas si je pourrais vous la montrer. Oui, il est là. Mais oui, il est là. Voilà, j'étais violemment attaqué par un animal de compagnie. Qui du coup est très content que je m'occupe de lui. Moi, oh oui. Bon, par contre, c'est la guerre. Donc, c'est un berger australien, tout à fait. C'est un berger de type Australie. Donc, lui, mémé. Mémé, le fou. C'est le chien des parents, yes. Ménélon, vous l'allez vers Antet et compagnie, donc on passe par là. Ça c'est réglé. T'as pas que je rate des armées, j'en ai tellement. Donc lui c'est bon. Tu vas vers Knitos. Lamerion, tu vas vers là. Toi tu récupères des troupes. Toi tu vas aller récupérer Volissos. Parce que ça manque Kikine qu'on me l'ait piqué. Toi tu t'en vas parce que je t'aime pas. Pourquoi je peux le dissoudre et que je ne peux plus le dissoudre? C'est ouf. Merci. Donc Almaon, on garde le même bail qui est de vouloir aller vers Myrina et compagnie, en espérant que ça le fasse.
Ok, on peut recraft les bâtiments. Donc on devait commencer à craft. En espérant que cette fois-ci ça ne plombe plus. Ah voilà, ce quoi voilà. Tu es mon frère adopté, confirmé. Ils vont te séparer à la naissance. What? Ok. Oh, ça va vite me les broyer. Ça, on va pas faire de bâtiment, hein. On va faire un truc bien, on va pas faire de bâtiment. Oh, le jeu qui me troll. La sauvegarde est corrompue. Non. Pourquoi? Allez. Juste bouger le cimetière, passer le tour, on créera les bâtiments plus tard. Je vais trop vite pour le jeu, trop d'APM. Trop d'APM pour le jeu, il est en PLS. D'accord, très bien, vas-y Sarpedon, donne tout. Ok. Allez, troisième tentative en espérant que ce soit la bonne. This time. On le dissout. On va essayer du coup de faire aller Merion. Donc toujours chez Amazon. Le monsieur, il va aller à Knidos. Je commence par connaître par cœur les moves. Je commence à connaître par cœur. On va recruter 3 épices de Laconie. Et un mec à la chair héroïque, exception. Ah, je viens de gagner un tour en faisant un bon order. Eh, ça a été utile, hein. En fait, c'est le jeu qui essaie de me dire que je faisais de la merde et qu'il fallait que je gagne un tour sur l'armée. En faisant pas de miss order. On a bien bougé tout le monde. Oui, 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 on va retenter le fin de tour. Yes, ça n'a pas planté. Nice. Qu'est-ce qu'il va faire en Nati, lui? En Nati, en Itac. Ok. C'est pour que cette troisième fois soit la bonne. Mmh. Oh. Ça va être chaud, ça. On va tenter. Ah, j'aime pas ce terrain. Il est dégueulasse. Allez. En avant.
On s'avance 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On voit pas encore tout le monde. Ah, c'est le retour d'Hippolyte niveau 20. On peut se faire que ça arrive en deux temps. Il y a quand même du heal, ça c'est cool. C'est pas le dernier des clampins quoi. Ça me perturbe tellement la portée des archers. J'ai tellement l'habitude d'avoir une plus grande portée, avoir de l'artillerie qui cartonne les adversaires pendant que ça avance. Je pense que je m'y ferai jamais de pas en avoir. Genre voilà quoi, que mes archers derrière puissent pas tirer sur les mecs qui aillent sur ma ligne 1. Ça me perturbera toujours. Votre héros se fait en avant. Joue le drac. Tout le seul des escarmouches de ses morts. Parce qu'il y a un qui fuit pour l'instant, il tape pas. Vos guerriers se découragent. C'est pas étonnant. Je vais le faire un peu fuir. Si on leur tire dessus, c'est cool, ils vont bien revenir. Je suis confiance en eux. On y croit. Vos guerriers ont été mis en déroute. Oui, je sais. Ouais, l'ancien jeu, on sait plus ce que c'était. Hein. Avant, ça fait un peu de morale, là. La grosse cata. Tout le monde fuit. Après, si on peut dégommer Hippolyte, ça nous fera du bien. Vos guerriers se rallient. On peut faire du bien à tout le monde, genre si on arrive à tuer Hippo. Pire sinon ça ferait une armée faible qui était faible et qu'on recréera, donc c'est ok. On fera un truc à Sparte, il y a moyen. Parce que t'es clairement en dessous. Elle est morte Michine. Nice. Vos guerriers se rallient. Ça c'est cool ça. Deux, trois unités un peu fortes, mais la plupart étaient comme ultra faibles. J'ai Soon l'Aristi. Je l'ai, parfait. 60 secondes, il n'y a pas besoin de la mettre tout de suite. Faites attention, vous perdez du terrain. Yes. Toute l'armée a fui. Oh dommage. Ouais, j'aurais dû prendre la victoire, l'auto-resolve. J'ai vraiment du mal avec le combat dans celui-ci. C'est tellement dehors du gameplay du Total War Warhammer que j'ai vraiment de... Dès que c'est un 50-50, je suis pas serein quoi. Dès que mes troupes sont trop faibles, comme là, la première ligne c'est un peu une cata pour moi. Je fais encore quelques morts, bon tout pis. Notre arme à côté, on ira les détruire. On ira les détruire. C'est la vie. Non.
katana. Faut vraiment utiliser le contournement. Ah mais j'ai beaucoup de mal sans pause à contourner les ennemis. Surtout quand là il y avait des ennemis qui chargeaient, nous non, c'est-à-dire que toutes ces unités étaient plus mobiles que les miennes. Sans pause c'est vraiment pas facile. Ah pourquoi mettre que je vais gagner alors que j'ai perdu MDR. Ah parce qu'on a juste tué Hippolyte, yes. Bon. Je l'accepte, il n'y a pas de soucis. Après, on s'en fout un petit peu. Ok. Du coup, elles sont revenues là. Il retournera se venger. Ok. Il est parti où, Jean-Hugues? On va récupérer. It's ours now. Do it right, get rewarded. Aïe. Donc là on a défendu c'était Mir. On a récupéré la ville, il n'y avait rien dedans quoi. La ville, elle était vide. Ouais, c'est de l'argent bien dépensé. Samos revient. Mille vignobles. Alicarnas, on est à côté, niveau 3. Ah, c'est vrai qu'elle était détruite entièrement, Alicarnas. Là on va attaquer Knitos, on sera au moins un peu solide. D'ailleurs, ça coûtait un petit peu cher madame. Ok. Donc, il y a l'armée de quoi? D'Hector, une armée vide à côté de nous. Donc, on pourra les défendre au prochain tour, ils sont encore là. On a plus au nord, tout au nord, Mitritruc, Polioni, ça va être quasiment impossible à choper. Surtout que tu as une armée de Guigui relou qui vont arriver par là, puisqu'il y avait une armée là qui doit être dans le coin. Démoléon, il est où Démoléon? Il est là, il vient de gagner ça. Donc Démolon, c'est ok. Défend, on fait une armée. Il recrée ses troupes. Et on veut attaquer. Ça, ça s'est mené, hélas. Parlant de Sparte, où il y a Hélène. On va récupérer quand même Hélène dans ce bordel. On peut être un nouveau héros. On doit bien avoir un mec. On a un rang 9. On a un rang 9. On va piquer le rang 9. Viens mon coco, on va te recruter des troupes craquées. Enfin en tout cas spartiates. 4, 5, 6, 7, 8. Et là où il nous faudrait des lanciers, des archers de renom. Archers géants, pourquoi pas, c'est pas dégueu non plus. Ok. 17. Et en recrutement local, on aurait quoi? Des Massuboy. Fondeur Achéen. Ouais, pourquoi pas.
Ok, 4 tours on est en armée full, c'est bon ça. Donc 4 tours en armée full, ici 5 tours on a l'armée full. Donc là on va être défensif. Là on vient de défendre. À l'instant d'ailleurs, on vient de défendre à l'instant. Il y a Hector et les Bolos. Ici on fait des troupes, il faudra quand même qu'on aille à Éphèse. Parce que j'en ai marre de me faire attaquer. Il y a Lycarnasse. Je joue Agamemnon et Ulysse vient de me déclarer la guerre. Qu'est-ce que tu lui as fait au pauvre Ulysse? Tu lui as piqué Pénélope? Tu as aussi fait un kidnapping honteux? Ça me frustre. Oh! Ville de ces grands morts. Est reparti. J'ai l'impression que c'est toujours dans la même ville que ça bug. Ouais. Est-ce que vous avez retenu le nom de la province? C'est Melibé, non? Je crois que c'est Melibé que ça bug. Oh là là, quel enfer. C'est pas là. C'est pas là. Parce que ça sauve ce moment où je dois passer le tour. C'est pas là. Y a un truc à faire là aussi. C'est là, Melibé. Touche pas Melibé. Ne touche pas Melibé. Score! Qu'on va rien faire d'autre. Et là, tout le monde forcément a bougé. Et j'ai encore mon armée avec Jean-Claude là. Ok, allez, on fait un tour. Insupportable. On va faire une action rapide, hein. On va attaquer Kissamos, quoi. J'imagine ils veulent la dernière ville qui leur manque. On va prendre la bataille comme ça. Alors on perd, mais on a fait beaucoup plus de morts. On n'a pas tué Hippolyte. Merci à la Nouvelle Véreux pour le 39e mois! Avec Gaming Prime! Faites comme la Nouvelle Véreux. Utilisez Gaming Prime pour avoir accès à vos nouvelles emotes. Ok, j'accepte. Bien. Donc. On a compris cette fois-ci qu'il fallait pas aller à Melny Trucmuche. Donc on va recruter un héros. Yomé. Ouais, va du changeur en armure. Voilà, donc 4 tours pour voir l'armée. Ensuite, on a Alcmaon. Du coup, on a dit qu'Alcmaon, on le mettait défensif. Car
Ils avaient ça autour, c'est ça. Quoi le foutre vers là? Démoléon, il allait récupérer ça. Voilà, c'est un peu chez nous. Un peu de match, on occupe. Renforia. De toute façon, on n'a pas le moment pour aller là. Ici, on a l'armée au prochain tour. On ira vers Éphèse. Et ici, on peut aller par là. Bien. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 armées dans la place. On peut voir ce qu'on peut faire. Oh, que c'est pas ce qu'il a, pardon. Ok. Melia, je suis désolé. Hop. L'ordre disponible est de retour. Il est où ton frère Agamemnon? Il est... En fait, il m'a déclaré la guerre. À un moment donné, il m'a déclaré la guerre. Donc je l'ai éradiqué. Non, 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 oula, 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 boulette, oula, boulette, oula, boulette, oula, boulette, je fais faire de la merde. Il s'est senti chaud à un moment donné, il dit, je te défonce. Non, pas les mille, pas mille, pas mille, pas. Il m'a dit, je te défonce, je vais te rouler dessus. Et j'ai dit, wesh gros, qu'est-ce que tu fais? Et bah il s'est passé ce qui devait se passer, hein. Il est mort. Mais bon, j'avais déjà récupéré Hélène, donc j'ai plus vraiment besoin de lui. Achille est mort, sinon Achille est confédéré. C'est mon bro Achille, il est avec moi là. Il est en train de refaire une armée. Mais il fait partie du royaume de Sparte. C'est Achille le Spartiate maintenant. C'est le grand Achille le Spartiate. Ok, fin de tour. On va voir ce qui va se passer. Donc Ithac. Il nous fait ça, donc là logiquement, ok, il va venir nous aider. Sidon, pareil. Ok, Paris qui arrive. Par ce nouveau mouvement pour les défenses Paris, si c'est le cas, c'est cool. Très bien. Il est d'Orient et compagnie. Ok. Ah. Ça c'est bon. Ça veut dire que mes amis là, ils viennent de défoncer, récupérer là leur dernière ville. Ok. Petit tour technologie. On prend le boost là. Amir, on va faire ça, c'est gratuit. Je veux diplomatiquer. Qu'est-ce que ça donne là, si on fait des accords rapides? Pas de pacte non-agression, pas d'accès militaire, pas d'alliance défensive. Trace, si on voulait un pacte de non-agression avec eux, qu'est-ce qu'ils demanderaient? Let us get this over with them. Ils veulent pas trop de solutions, ils nous kiffent pas. Pas de déco alors. Pensons qu'il n'y a plus que ça. S'il n'y a pas de négo, pas de négo. 4 tours encore ici pour avoir une armée full. 3 tours par là. Alors, Acmeon, on a vu qu'il y avait Hector qui s'était cassé. Donc, on va voir si on peut péchoter Hector. On a raté Hector, tant pis. Et on est un peu loin pour Paris, dommage. Mir, on veut faire des remparts.
paraît nécessaire. Ces murs dans un état complètement dégueulasse, c'est honteux. Découvrir déjà la lance, pourquoi pas. Alors, ici. On va voir ce que ça nous dit pour Knitos. Ça nous dit qu'on peut sans problème l'attaquer et continuer le siège, ils ne pourront pas se protéger. Qui a 3? Les Troyens ont 3. C'est bien mon principal problème, c'est toujours les Troyens qui ont 3. Ready for war. Victory beckons. Hit them now. Death or glory. Donc on aimerait gérer ce problème des Michelines. Et du coup démoler. J'aurais bien aimé trouver Hector, tant pis. On va aller voir Paris. On va lui expliquer la vie quand même, si ce n'est que ça. Serinthe on peut jouer. Malice on peut jouer. Il y a eu 2-3 tremblements de terre à 3, mais rien de. Rien d'ingérable. Non, je ne toucherai pas cette ville du démon. Fin de tour. Le bug, c'est peut-être parce qu'il y a l'armée d'Achille là-haut, je sais pas. En tout cas, il y a l'air d'avoir la map au nord, elle est gigantesque. Ok, c'est bon, il retourne vers les ennemis, ça me fait plaisir, ça. Alors, les Dardania, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Et ça back. Ah, il va si vite, il est là-haut. Ça va, il va si vite, Hector. Alors, hypoglide, plus renfort, plus garnison, c'est too much, on va back. What? Je me fais casser le cul. Bon. Traité de paix. Bien. Bon. Alors, Hector est là. Ensuite, j'ai vu un mec de la mer. Je sais pas dire grand chose, j'ai vu un mec de la mer, mais j'ai vu un mec de la mer. Où est-ce qu'il est? Là. Ok, on attend. Alors, est-ce qu'on peut pas créer une nouvelle ouais, Serinthe, on va refaire un truc. Viens mon bro, on est reparti.
Je vais voir si on va le faire comme ça, j'imagine. Je te renonce s'il y a quelque part. Ce dash est trop cher. Ok, donc 5 tours pour une autre arme. Une armée. Donc on a 3 armes en création, on a 3 armées défensives. Une là, une qui chase Hector et une ici. Ok, on désespère pas. On va y arriver. Mélibé, on évite. Arcani et Pylos. Une voix. Ah, c'était les bains, pardon. Et on ne peut plus rien faire, ce n'est pas grave. Oh, on s'est tellement pris la triple armée d'Amazon là, je l'ai pas vu venir. J'ai vraiment pas vu venir. Au moins, Etak retourne vers la Dardanie maintenant qu'ils ont récupéré ce qui leur manquait. Gros lâche! C'est pas grave. Vous pourriez quand même me donner un coup de main? Pardon. Elle a pas du tout ce que je pensais comme armée par contre. Une vraie armée en fait. On va tenter la victoire à la Cadmen parce que je ne me sens pas la prendre du tout. Pour moi du rêve. Oui. Ok, c'est ce qu'on voulait, victoire à la Cadmen. Il rejette comme un ouf pour faire des lanciers. Qui va pouvoir le poursuivre. Oh, qui sont deux troupes, ouais. Trois troupes! Bon, c'est le moment si on peut pas aller voir, si on peut pas se faire des nouveaux amis. En mode regardant, il est devenu tout faible. Avec grand plaisir, c'est encore des chances. Je ne suis qu'un mec d'amour. Nourrir les pêcheurs. Nourrissons les pêcheurs. Alors, petit moment diplomatie. Accord rapide. I'm happy. I will. Ouais, compliqué. Ah yes, the jilted husband. Bon, ils sont pas trop chauds quoi. Bon, ils sont pas trop chauds de la négociation, tant pis. On est reparti. C'est la guerre, hein, comme on s'en doute. Ah, pourquoi je peux tout, ils sont partis, c'est con. J'étais presque. Ensuite. Une bonne chose, on les déboîte. C'est en normal, je découvre complètement ce style de jeu plus historique, donc je suis en mode normal et je mens pas autant. Total War, Warhammer, je trouve que je commence à le bien maîtriser. Autant là, je ne maîtrise pas grand chose, très honnêtement. Je ne maîtrise vraiment pas grand chose. Ok, donc au moins on a Bolosandros, Anctor, pardon, là on défend et là on crée des troupes partout. Ok, deux tours, on va continuer le siège.
Allez, Alcmaon. Bah oui, c'est vrai, t'as mérité quand même, mon coco, dans tout ça. T'en es un peu chié. Plus 15 à la charge, c'est très bien. Sport adresse, on boost. Perfébie, on boost. Épire. On peut plus booster. Pourquoi on peut plus booster? On a plus de gold. Éolide. On booste. Magnésie, on n'y touche pas. On regarde juste Achille, le prochain tour c'est bon. Ah, si Achille, le prochain tour c'est bon, c'est peut-être dire qu'à Sparte c'est bon là déjà, ça va tellement vite. À Sparte, deux armées qui arrivent au prochain tour. Et bon, au prochain tour, on va pouvoir recommencer à refaire notre grand va-et-vient et essayer de rebolosser nos adversaires. Nice. On est parti. Comment ça se passe? Difficilement. Le Troyen est véloce. Le Troyen est véloce. Mais je ne doute pas que nos amis Ithaquiens maintenant vont pouvoir venir nous aider. Le suicide d'un homme. Le mec trop taqué. Toujours debout. Ok. Ça va quoi, le reste c'est des bros. Accord d'échange, accord d'échange. Alors, c'est parti. 4 tours avant qu'on puisse faire quelque chose ici. Voilà, on le poursuit, on lui roule dessus, c'est le grand plaisir. On est la construction du cheval de Troie. Alors comment vous dire? On n'y est pas encore. On n'y est pas encore au cheval. Ensuite, on a vu qu'il y avait de la merde qui arrivait auprès de quelle ville? De Volios. Monstrueuse, camoucheur, combattant, ok. Donc là on a une armée qui vient là. Donc ça c'est cool. Donc l'armée là c'est gérée. L'armée spartiate également est terminée. Donc on va pouvoir la faire aller un petit peu plus vite. Armée spartiate qui quant à elle va devoir se diriger vers... vers Samos. Donc ça c'est le cas. Alcmaon, on refait des troupes. Ça on va le bolos. Ok, LM. Par contre ils ont encore un truc à 18. Ils ont encore une arme à 18. Je sais pas où. Qui va m'attaquer une ville. Peut-être au nord, mais j'ai pas de ville au nord. Est-ce qu'il y a une cinématique ou un truc du scénar pour déclencher la guerre de 3? Non. C'est quasiment automatiquement guerre contre 3 dès le début. Mais 3 ils t'attaquent pas en fait. Le problème c'est toutes les trucs autour de 3 qui deviennent te bolos. Mais 3 en elle-même ne quitte pas sa ville. Et Halicarnasse. Halicarnasse, on va faire des troupes aussi un petit peu. Plus d'argent. Et il nous reste le malice. On va faire plus de vin. Bon, on a fait ce qu'on a pu à ce tour-ci, on a bolossé de leur armée. Alors ce que font nos amis de l'Itac, peut-être qu'ils pourront un peu nous carry. Ça vers Myrina.
voilà, ça c'est Volimos. Bon, ça, on s'en doutait que ça allait faire ça. On peut pas faire grand chose. Deux armées. Allez, l'arme, l'armée 18, ok. D'une armée 18, une armée 12, très bien, c'est autour de Skyros. Ok, il y a 4 armées à gérer, tout va bien. Ah. Ouais, ça va être chaud encore une fois. Reparti. Tu vas voir tout de suite si elle bug encore ou pas. Avant le bug c'est quand on faisait ça. Voilà. En fait c'est quand on veut créer le bâtiment là. Ah mais je crois comprendre pourquoi ça bug. C'est bon, j'ai compris pourquoi ça bug. Parce qu'en fait il propose de faire de la bouffe alors que c'est un truc de pierre et du coup ça fait bugger le jeu. Ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, bon on ira pas voir cette ville. On ira pas voir cette ville, c'est pour ça que ça bug. Ok, j'ai compris pourquoi ça, cette ville buguait. Nice. Bien, bien, bien. Toudoum. Hop, et on peut recharger ça. Ça y est, j'ai compris. Et du coup, ça ne buggera plus maintenant qu'on sait. Bon. Alors. Si ton jeu plante, c'est essayer de leur faire manger des cailloux. C'est moi tranquille. Ok, du coup on sait qu'on peut faire ça. On sait qu'on peut faire ça. Et c'est tout. Mais qu'on peut pas construire de bâtiment dessus. Et tout le monde a bien bougé. Et tout le monde a bien joué, on peut faire la fin de tour. Ok. Donc ils ont des villes jusque aussi au nord. Ça serait... En fait, on a tellement fini la game dès qu'on arrive à faire aller détruire, à faire la paix, mais ils ont 34 trucs. C'est vraiment continent contre continent, quoi. Donc il y a toujours Suicide Boy. Qui vient. C'est un normal, comme je disais, parce que je découvre le mode historique. Quand c'est une découverte, je fais toujours normal quand c'est une découverte. Si possible de tuer Achille dans le jeu. Il revient à l'infini. Ok, ça vient vers Myr. Ils sont vers Skyros. Ok. Donc c'est reparti. Faut construire à Thèbes. Allez, c'est parti. Donc ici c'est toujours en cours. C'est pas des bros, eux. Millet contre Alinda. Parce que si je peux en faire des alliés, c'est incroyable. Millet est où? Millet est là. Phil Alinda qui est là. Il est fiable, il se rend force 5. Pourquoi pas, la ville de Milly ne me sert pas à grand chose, tant que c'est un allié qu'il a, c'est ok. Without. Filmer, je m'en fous un peu, je récupère Alinda. Ok.
qui va avec Alicarnas, donc Stylite Soke. Millet, elle est avec rien, comme ça ils ont leur truc un peu. Non, ça me va. Puis on leur reprendra plus tard. I would like to hear what King Menelaus is offering. On avait les cartes en plus, un peu too much. Ok. Le but, ça va être de que ça devienne des bros à terme. On va le foncer avec Jean-Hugues. Alcméon, c'est pas tout de suite. Ok, ça fuit tant mieux. Bonjour Balakam. Ah quoi, une IRL viewer mess. Ah bah c'est un peu tous les soirs où je sors dans un bar. C'est un peu une IRL pour moi. Non, je rigole. Oh, c'est vrai, je préfère ça. Quand il fera froid. Quand il fera froid. Donc ok, démolion c'est réglé. On peut aller là-dessus du coup maintenant. On s'en occuper un de plus. Achille a fait le taf. Donc tant mieux. J'ai jamais vu au petit local. Je ne connais pas le petit local, Balakam. Bonjour, je voulais tester le jeu, mais jamais testé un Total War. Les mécaniques de jeu, c'est compliqué pour un initié. Je sens que je vais abandonner. Alors, si ça peut t'aider, j'ai fait une vidéo de présentation sur Total War Warhammer 2, qui a beaucoup de choses en commun. Et sinon, je ferai un peu de vidéo pour bien débuter Total War ce week-end. Ce week-end. Enfin, ce week-end étant lundi, mardi, mercredi pour moi. Alors, le petit local, c'est en face du conservatoire. Conservatoire, il est à côté de la République, là. À côté du, comment ça s'appelle? Où je confonds. Du truc. Attendez, est-ce qu'on a bien bougé tout le monde juste? Caménon deux tours. Ouais, à côté Trinitaire, d'accord. Ah oui, c'est parce qu'en fait, ok, oui, c'est parce que je vais jamais du côté des Trinitaires. Yes, Trinitaire, je connais. Il y a des sons de magie là-haut à une époque. Parce qu'en fait, je vais pas du tout de ce côté, c'est pour ça. Mon émissaire est enfin destination ou pas encore? Non, non, il fait toujours le tour du monde. Écoute, on a un peu tout fait. En avant. Ouais. Mais je serai une fois, pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a deux ou trois barres à messe que j'ai encore pas fait, qu'il faudrait que je fasse. Trop l'habitude d'aller toujours au même endroit. Ok, ils ont trois armées là. Donc si on les... Quatre armées, cinq... What? Allez-en, pas fait. Bah ouais, une victoire décisive. C'était 4000 quoi, en même temps. Ok. Bon, tout n'est pas à refaire. Mais ça complique un peu la situation. Ça complique un petit peu la situation, cette histoire. Niveau décret royal. Allez, plus de protection, projectile. Carrie. Merci Zaspline, très bon stream à toi, chère marmotte. Merci. Merci, merci, merci. C'est tellement une guerre infinie tout le temps. Ok, Andros c'est réglé là.
and divine. Armed and ready. This will happen. Voilà, on s'en occupe comme ça, ça tiendra plus. On renforce nos unités mortes. Bon, au moins, on va être tranquille quelques tours avec cette faction, c'est l'avantage. Et ici, par contre, Teresos, Métine, Mytilène, c'est trop au nord. On veut descendre par là. Je crois qu'il y a une, deux, trois armées. Ionia a bougé. Démon Léon a bougé. À la Kikméon prochain tour. Ashley a bougé. Je le check. Hein. Donc là c'est prochain tour. Ça a bougé. Ah oui c'est ça. Quelle dureté, quelle dureté. Bon. Et Ménas, pendant ce temps, continue son siège. Ok, prochain tour, c'est vrai. Faire un petit peu de diplomatie dans le doute. Qu'est-ce que ça donne la diplo? Ah, pacte d'une agression avec Trace. C'est signé instantanément. Sparta had better be since. Very well. Ah, Ithac. Ah, ils sont passés 18ème force. Ah non, ils ont 18 colonies, ils sont que 5. Non, Ithac, j'ai pas envie de les confédérer, moi. Je préférerais toi, pouvoir confédérer eux. Le Dorian, c'est encore plus impossible, mais je préférerais pour les confédérer eux. Break out the good wine and let's talk. Tant pis. Et j'imagine que pour la paix, je vais me brosser. Ouais, je vais me brosser pour la paix. Et on est reparti. Tu as des trucs qu'on fait de règle quand même, non? C'était suicidé. Ouais, il m'a attaqué quoi. Ithac, je veux pas les confédérer, je veux pas gérer. Ils sont plus forts si je les confédère pas. C'était marrant de confédérer Achille, mais même confédérer Achille, c'est pas forcément le meilleur bail. Donc je veux pas confédérer de trucs qui sont pas. Qui sont forts. Mais après, Achille s'était vraiment fait rouler dessus. Donc Kenny qui veut aller attraquer Knissos, la base. Ils vont prendre Vrontados. Ok. Ouais, ils ont plus d'unité les hydres là. On a cassé de leur armée donc on a gagné quelques tours. Ok. Ah bien ça. Décret royal, on a un peu d'argent ou pas? On a pas assez d'argent pour ça. L'or, hein, le nerf de la guerre. Achille mène-t-il une thèse armée? Bien sûr. Alors menez-la, parce que du coup on peut enfin la récupérer cette ville. On la récupère. Tranquille. Rien perdu, parfait. On gagne un peu d'expérience, on occupe Knythos. Donc ça c'est une super nouvelle de récupérer Knythos. Parce que 1 se dire qu'on gagne nos troupes pour quelques tours, 3 tours. 2 se dire qu'on va pouvoir remonter vers Alinda. Peut-être enfin combattre les Amazones même si elles ont l'air velues. Et qu'elles refusent de se laisser faire. Bon, moi, ça fait une armée utile de plus. Donc, parlons d'armée utile de plus. Tolinche, Samos, la guerre là actuellement, elle est vers le nord. Horsemen,
Elle commencera au prochain tour. Voilà, c'est ce que j'aime. Hipster plus garnison plus renfort. Les dieux nous kiffent et on défonce tout le monde en 2-3 mois. J'aime. On a perdu une troupe, ça va. Donc ça au moins c'est récup. Et on va pouvoir repéchoter notre épéiste de la conie qui meurt d'ici 2 tours. Parfait. Ensuite, on avait Jean-Hugues qui arrive là. Idomé qui est là, pardon. Je crois qu'ils ont plus d'armée les autres. C'est Achille ça? Pourquoi pas, si on détruit leurs armées, c'est de faire une pointe au nord. Pourquoi pas Alcimédon, armée terminée, en avant également du coup. Jusqu'à Spirobos. L'armée est un peu fatiguée mais ça va. On a la ville. Ils ont repris Knissos, donc c'est cool en vrai. C'est un peu des bros, je crois. C'est pas trop des bros. Ils sont hostiles, mais ça va. En vrai, ça va. Je pense que ça va. Ça t'allait bien avec eux avant, c'est dommage. C'est ballot. Plus de reconstitution, c'est solide. Allez, on refait un ordre, même si on risque de la perdre. Akos. Et l'attente de chercheur d'or. Here we go. On arrive bientôt à 3 avec notre émissaire. Yes. Est-ce que l'Ithaque va un peu me vendre de rêve ou pas? Ithaque répare, Ithaque remplace. Ouais. On est un peu devant la Dardanie. Alors là par contre ce combat, si je le fais moi-même, c'est instant lose. Par contre il nous le donne devant. Donc on va prendre la victoire de justesse. Voilà, bien la prendre la victoire de justesse. Vu ce qu'on met à toute leur armée d'un coup, c'est même miraculeux que ça se passe comme ça. Je vais pas me plaindre. Mais pas du tout. Ouais. La grande sagesse. J'ai hâte d'aller jouer les Amazones. Je pense que d'ailleurs c'est la campagne que je ferai du jeu, mais que je ferai une campagne dès que les Amazones sortiront. Parce que j'ai bien envie de les jouer. Ça peut être de voir un peu côté troyen. Ok, maintenant on a fait du mal à Dardanie, donc c'est bon ça. Ok. Bon, après quelques factions moins intéressantes. J'aime tuer plein d'ennemis au combat. Alors, du coup moi j'ai une quête à faire avec Jean-Hugues. C'est quoi du coup l'objectif avec lui? Non, parce que j'ai une quête hein, quand même. J'ai pas fait chier à faire la traversée du monde pour pas faire une quête avec lui.
Leur mission de la dernière chance, déplacer votre adversaire vers la région suivante. Voilà. La requête d'un guerrier, plus des influences, honneur à la paix. Ah, on peut recruter les Minotaures disponibles et sagesse de la guerre. Oh, de tous les héros? Waouh! Énorme! Et du coup, la suite, c'est pour l'impudence de 3. Récupérer l'Hélène et une étoile de 3, ça on l'a fait. Honneur restauré. Donc ça c'est fait. Alors, mais alors que Mélas, le juste, levait le bronze, Hélène le supplia. On a choisi l'amour ou la justice? Hélène est conduite à Sparte, 20 heures d'or pour la faction. Hélène est condamnée, maudite son entretien de l'usinité. Alors du coup c'est le moment où on va voter. C'est le moment vote. L'amour ou la justice? C'est le moment où je vais avoir confiance en vous, on va faire un nouveau sondage. On fait quoi? L'amour? L'amour. La justice. Commençons le sondage. On va mettre 2 minutes. Voilà, on vient de lancer le sondage, hein. Justice ou l'amour? Justice ou l'amour? Du coup, vous pouvez voter avec le sondage qui est juste en dessus. Qui est juste au-dessus. Voilà, vous pouvez voter. La justice ou l'amour? Moi, je vous laisse faire. Je vous laisse faire, je vous laisse faire, je vous laisse faire, je vous laisse faire. Un petit 50-50, non pas de 50-50, vous êtes des gens civilisés. Pas de 50-50 ici, monsieur. Point de 50-50. Ah. Ah là 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 là. Je vous laisse, je regarde comment ça se passe pour Juice, vu que je crois que je reprenne le live juste après. Alors. C'est ça, il reste 43 minutes. Alors, il reste combien de temps? On est quand même sur 43-26 pour la justice ou l'amour. C'est terrible. C'est terrible. Sur 385 personnes, il n'y en a même pas 100 qui votent. Se dire que les gens s'en foutent de la pauvre Hélène. Il y a une guerre pour elle. Mais en 2020, on s'en moque. On est sur 44-30 pour la justice. Il n'y a pas d'amour à l'état Ménélas. Et le syndrome de Stockholm. Et le syndrome de Stockholm, on y a pensé? Ah là là. Oh, quelle dureté. Vous êtes dur, vous êtes dur. Vous êtes dur sur l'homme ou dur sur la femme, présentement. Pauvre. Moi, je choisis l'amour tous les jours. Moi, je suis un homme d'une bonté, d'une gentillesse incroyable. Moi, je me balade dans des blés de champs d'orge pour faire des bières. Puis regardez, si on exécute maintenant, on n'aurait jamais eu Hélène et les garçons. Mais vous avez décidé. Vox Populi, Vox Dei. Même si c'est un petit peu plus tard, ça, que ça se passe. Allez. Ce sera la justice. Hélène, au revoir. Bien. Pauvre Hélène. Alors du coup c'est quoi la prochaine quête? Ah, j'ai pas de mission épique pour l'instant. Donc par contre du coup on a des... Ah oui, bah forcément tout le monde a chopé des... Tout le monde a pris 3000 pecs. Donc forcément. Forcément. On passe en kikiné comme ça. Petit leveling. Ok. Ah, c'est vrai qu'ils vont piquer plusieurs levels avec ça. C'est insane. Alors. Premier truc qu'on va faire, c'est finir l'armée d'Hector, je pense. Et on prend de l'argent. Ok. Alors, on a perdu des lanciers en armure, qu'on a perdu des troupes très solides. Minotaur, on recrutera plus tard. Petit coup en nourriture. Hein. Allez, tiens, on va le pique, tiens. On va essayer de recruter des gars sûrs.
Et bonjour tout le monde. Faire la guerre à 3 juste pour tuer Hélène derrière, je suis pas sûr qu'Homer aura approuvé. Oh, il est mort. C'est maintenant qu'Homer est mort, il est plus grand chose. Ok, 2 tours et on a son arme. Adémoléon, donc ça c'est une bonne chose. Ensuite, Ménélas qui rend 27, qui doit être le rang max. Et qui est son bouclier d'ailleurs. Il va. Il va remonter au nord déjà, dans un premier temps vers Alicarnas. Voilà. Voilà, ça allait beaucoup plus vite de remonter comme ça pour Alicarnas, pour Mémé. Hippodimé, allez, Iwudopimé, il a pris du level également. Plus de points de vie. Défi olympien. Encore plus de points de vie. Plus d'armure. Plus d'armure. T'as pas level up Dédé? Si, je vais level up Dédé. De toute façon, il me le dira là si je l'ai pas level up. Don't worry. Donc là, on récupère des troupes. Là, on remonte. Il y a Samos, il y a Éphèse, il y a Myre. Peut-être qu'une deuxième armée aller vers Samos, ça paraît pas être un mauvais plan. Ah non, on l'a pas fait level up. Pardon, mea culpa. Mais mille excuses. Mille excuses, effectivement, je n'avais pas fait level up. J'espère que vous ne me jugerez pas trop fort. Non, si j'ai plus de points de comp. Oui, il était level up. En fait, c'était un petit bug. Alcmaon, qui a fini son armée à nouveau. Qui chope 5 points, le coquin. Alors, acquis le bâton nocturne, bah, tu peux percevoir de renfort. Oh! Ah, il a attaqué Claire, trop bien. Quel homme, il a attaqué Claire. Ok, donc on était en Andros, on avait booté les ennemis et on voulait aller vers le nord également avec lui. Bonjour Alpaga. Et j'ai rien fait, Hélène, c'est vous, hein, je vous rappelle. Je vous rappelle que c'est vous, les Margoulins, qui avez voulu faire du mal à la pauvre Hélène. Que d'aucuns jugeraient complètement innocente. Bon, je vais pas vous balancer, mais... C'est vous les Gouniafiers. It's not me, it's you. Allez, Achille. Petit coup de balafre. Petit coup d'attaque terrestre. Et hop là. Normal. Un petit siège pour commencer, on ira à plusieurs pour récupérer les villes. L'homme n'était qu'une victime des dieux. La tour sur tête est victime des hommes. D'un chat qu'il a jugé. D'un chat qu'il a jugé coupable. Alors qu'il n'était qu'innocence et bonté. Peut-être pas tous à la fois, mais un petit peu. Allez. Alinda. Ah. Bah, c'était un bon tour. C'est un bon tour. On a défoncé les armées adverses. On n'a pas peur de grand chose dans l'immédiat. Je crois qu'on a bien défoncé les armées de Dardanie. Donc là, il reste les armées des Amazones à détruire dans un premier temps. Parce que là, ok, t'as Eressos.
Donc à faire gaffe. Une alliance militaire avec grand plaisir. Ça c'est juste la steppe avant qu'on les confédère. Ah ils sont là, d'accord. C'est dommage que la terre ne soit pas ronde. Autoriser le commerce. Ouais. Tenez-vous à tout très tranquille. Très bien ça. Colonel de Samos, c'est intéressant aussi. Ensuite ici, Alkmaar. Alors on a vu qu'il y avait une troupe adverse qui arrivait par là. Qui faisait un peu les chauds, donc on va voir si on peut la déboîte. Ici on sait qu'on a besoin d'encore un tour je crois. Encore un tour pour avoir encore une armée full. On continue le siège, prochain tour il commence déjà à perdre des points de vie. Et ici on va aller attaquer Policini. Fameux auteur italien. Oh! Je pensais que c'est une vraie ville, pas du tout. Très bien, du coup on pourra occuper ça. Écoutez, on est Imbrasos qui va avec Tessos et Saos. Parce qu'en fait, 3 est déjà là. Ah, attendez, c'est quoi mes objectifs là? Alors, on a fait 12 missions épiques. Assurez-vous que les factions soient détruites 3 et détenues des colonies à clan sont... Il m'aurait juste à récupérer 3 et on a terminé en fait. Attendez. Ah, 3. Jamais le monde n'a connu de cité si glorieuse et si pleine de richesses. Ilios est véritablement une récompense qui mérite de mourir pour elle. On n'est pas si loin. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on fasse un... Je sais pas. En fait, la question est, est-ce qu'on n'a pas moyen qu'on quadruple l'armée pour choper 3. Mais je sais pas si tu peux attaquer avec plusieurs armées En fait, je sais pas si tu peux attaquer avec avec 4 armées en même temps pour avoir 80 unités contre 20, contre 40. Je sais pas si dans le jeu tu peux attaquer à plusieurs armées de la même ville. Logiquement, lui. Logiquement, je peux y aller à 80 gigi et la défonce. Je sais pas si c'est possible. Ouais, par contre, si je me vautre, je perds 2 heures de jeu. Clairement, je perds 2 heures de jeu si je me vautre. Allez, c'est parti. On va voir. Parce que si comme un con, on peut finir la campagne maintenant. Se dire que demain on peut faire du Total War Warhammer. Ah, le petit suicide, merci beaucoup. Très bien.
elles sont vénères quoi les Amazones. Mission suicide et tout hein. Vache. Faut pas les combattre en 1v1. Peut pas attaquer la ville de Troie à plusieurs. Armée normalement sa cellule c'est comme ça. Ah ouais. Marrant. Enfin je sais pas si marrant c'est le bon terme. C'est parti. Bon, on a détruit une armée. King Menelaus. That works well. On the march. Keep it tight. Hide yourselves, men. Petite embuscade. I will not give up. Heard and understood. Ok. Après, tu peux envoyer armée après armée dans le même tour, tu les affaiblis petit à petit. Ouais, ouais, ça t'inquiète, je pense exactement à ça. Alors, attendez. Je pensais exactement à un plan comme ça. Le cri. Ah. On va crier. Crier. Après t'as quand même tout ça. Mithilène ça machin. Ah c'est quand même velu comme strat. Bah ça on va quand même récupérer un stand. Je sais pas s'il faut grid vers 3 ou pas. En tout cas on va déjà récupérer ça. C'est une bonne nouvelle, on a la province. Permet de reposer un peu nos troupes pour tout le monde. C'est jamais une mauvaise idée d'avoir plus de troupes. Mais genre jamais jamais. Ok, d'avoir un peu de full point de vie, on a Ibrassos, en tout cas faut quand même qu'on chope Ibrassos avant. Se détériore. Quelle hostilité, monsieur, je ne comprends pas. Démoléon, c'est pas encore déplacé. Après il y a eux qui remontent. Oh. On peut déjà essayer d'avoir Mytilos, Mytilène et compagnie. On peut prendre juste au moins peut-être le truc du nord à voir. Sans on leur met pas full pour lui. On va voir si on peut choper Mytilène, Memnite et Rezos. Ça fera un deuxième bon truc à voir. C'est pas des choix faciles tout ça. Par contre un choix qui est vachement plus facile c'est qu'on a à nouveau 6500 d'avance et beaucoup de ressources également d'avance. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recruter un nouvel héros parce qu'il va forcément avoir des morts dans pas longtemps, moi je vous le dis. Alors, on va te prendre toi, t'as un bon mood. Oh lol, il a pris aussi les points là. C'est ça, je rentre dans mon poste d'attaque proche. Coucou Cthulhu 4. Coucou, coucou, c'est exactement ce que je me dis que j'aurai un truc proche de Sparte.
J'oublie effectivement un truc dans le style, mais bon. Prêt à se dire qu'il y a des chances que je finisse demain. Prêt à se dramatique de finir demain. I don't know. I don't think so non plus. Courir les jeux à la lanche, en fait, garder un peu l'argent. 3. Itak répare, Itak remplace, oui. Je craque. C'est archer de renom peut-être, ouais. Allez, 11 tours, c'est dans longtemps. Allez, c'est parti. Un ordre pour Lemnos. C'était que nous avons récupéré. Ville du sud. Ah, j'ai plus de gold, c'est toujours pareil, c'est les golds. Toujours pareil, les golds, les golds, les golds, les golds, les golds. Le faire dans tous les sens. Toujours ce qui revient cher. Voilà, Thèbes c'est fini. Et fin de tour. Alors, Itak, ils ont bien d'apprendre la ville en vrai. Ulysse passe à pleine vitesse. Go, go, Ulysse. Les petites troupes qui arrivent, pas plus mal. Peut-être moyen de faire un peu de diplomatie au prochain tour d'ailleurs. Ouais. Ok. Il est où Agamemnon? Il est mort. On l'a récupéré. Il était géré en interne Agamemnon. Embuscade découverte. Oh, Aîné est déjà de retour. Aîné est déjà de retour, intéressant à noter. Parlons peu, parlons diplomatie. Personne, pas d'agression. Ça le tient bof. La Confédération n'y est pas quoi. Confédération n'y est pas, bon, tant pis. On est toujours la force numéro 1, donc ça va. Je pense que pas grand monde nous a nous attaquer pour l'instant. So what, héros et agent. On va récupérer FS tout de suite. Il y a beau avoir des murs, pas de problème. On perd 2. Kyrie à lâche les canyons de route. C'est de recrafter. We've increased our territory. Ah mais ça prend du temps. Ouais bah pour les deux frondeurs tant pis. Oh il s'est passé quoi FS? La ville elle a pris cher là. Merci Black Wolf pour le Gaming Prime. Merci beaucoup à toi. Allez ça c'est plus facile à prendre. On occupe. Je sais pas où la map s'arrête. Elle s'arrête pas là quand même. Non. Elle va pas jusque là, c'est pas possible. Non. C'est impossible. Il y aurait tout l'Empire Perse. Après ceci expliquerait pourquoi c'est pas... Ils ont combien de cités les Amazones? Attendez, j'ai un doute. Ah elles en ont que 12. 18 pour Itak, qui est force 2. Dardonie, ils sont toujours 30 et des brouettes. 26, ça descend, moi, c'est déjà ça. Ils sont en guerre contre le monde entier, non? Ouais, ils sont en guerre contre le monde entier, ça me va. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que moi qui les attaque.
En vrai de vrai. L'armée de Jean-Hugues là elle me plaît pas. Genre ça me bloque trop de renforts sur mes autres unités pour récupérer les mecs morts. Ça me plaît pas du tout. Ça me bloque trop le recrutement global. C'est pas quelque chose que je kiffe. Je veux pouvoir avoir des vrais renforts. En fait je veux pas affaiblir mon armée. Ouais, bon, d'avoir ça quoi. Et un épéiste laconien, c'est quand même plus solide. Carrément plus solide. On va le virer lui d'ailleurs. Faut en prendre la deuxième. Guerrier la hache de renom. On fait économiser l'or en plus. Ça arrive dès le prochain tour. Ça, c'est carrément mieux. Ok. Et tant pis pour la prochaine armée. En fait, je suis un peu con. La prochaine armée, on va la faire. Mais on va la faire. On va la faire là en fait. On va la faire à Serinthe. Je cherche un mec un peu motivé, Castor. Voilà. Mec Lagnac et tout de suite quoi. On veut qu'il puisse faire des unités là. Voilà, tout de suite c'est énormément mieux. Voilà, là il est à 20, c'est en 5 tours et ça bloque pas les. Ça bloque clairement pas les autres. C'est ce qu'on voulait pas d'ailleurs. On voulait absolument pas que ça nous bloque nos armées. Donc là, c'est déjà beaucoup mieux. Donc, ça c'est fait. Ensuite, ils sont où, Pipo et Bozo? Ils sont là. Pro... Ok. Proctatas. Donc là on peut aller choper RSO je pense. Merci beaucoup. Petite victoire au KLM, on occupe. Voilà. On va s'occuper de Mytilène au prochain tour. Et après de mes teams à double armée pour que ce soit beaucoup plus facile à récupérer. Bien. Donc là on a Sarpedon qui est de retour par contre. On a Minès qui est là. Et là il y a Pénops qui refait leur troupe. Donc eux ils viennent forcément du nord. Donc ça veut dire que là on va se prendre des vagues d'armées qui vont venir du nord. Alors en soi, c'est pas catastrophique. Par contre si on peut choper Imbrasos là. Par contre grosse ville. J'avoue que ça fait un pied à terre qualitatif. Mais c'est pas dit qu'on y arrive. Je vais basonner un peu dans la mer. On se fout là et on est pas mal. Ok, donc ça c'est cool. Ski Rose, on peut booster. Je pense qu'actuellement ils ne seront pas en possibilité de nous attaquer de porter la bataille chez nous. Je pense qu'on va être trop occupé à se défendre. On a 2-2-2 armées. La 7ème est en cours. Looks like pas mal. Donc il tac pendant ce temps. Voilà, Dardanie, c'est ce qui m'intéresse. Ok, ça avance là. Il vient défendre en plus. Lui il est seul au monde. Les Zénipolites ont forcément des armées quelque part, je sais juste pas encore où. Là par exemple, ok. Échange ponctuel, lui, contre 125 gold. Oui, Phil, ça va. Pas de soucis. Ah! Bah, rejoignez grand plaisir la guerre contre la Dardanie, tiens, ça m'arrange bien. Ça m'arrange extrêmement bien. C'est-à-dire qu'ils vont continuer en plus à les attaquer. Ça leur fait encore plus de menaces, c'est très très bon pour moi. Je n'aurais pas pu demander mieux. On va
ils sont vraiment au milieu de nulle part. Allez. Donc une chose après l'autre. Là on a Micheline qui va nous enquiquiner. For Sparta. Oh, que c'est pas une vraie ville. Oh. Make them pay. Fall back. Never faltering. Engage the enemy. Menelaus of the loud war cry. Ready to march. March to glory. Ok, là ça va le faire. On prend le petit niveau avec Jean-Jacques. Jean-Jacques! Défi olympien, c'est très bien. Et là, par contre, avec deux armées complètes. Eh ben, sérieux? Ouais, on va... c'est juste parce qu'on n'a pas de bélier, ça. On aurait des béliers, ça serait pas la même. 100%, c'est juste une question de bélier. Ok, pas de soucis. On ne se laissera pas faire. Mais par contre, il y a bien jeune relou par là. On va essayer de s'en occuper avec Jean-Pierre. Et là on va prendre Mytilène. Voilà, Mytilène. Facile. On va pouvoir faire du coup de la teinture pour les vêtements. Donc Mytilène c'est bon. Héros c'est bon. L'homme d'armée qui va au sud. Là où c'est le problème c'est qu'il y a une troupe là. Là c'est une ville gigantesque. I won't. Give ground. Poseidon protect us. Fit to fight. We've docked. I am a legend. Oh, c'est de la merde. Beyond compare. Pound the dirt. Massacre them. Voilà. Et en fait, c'est le bail, c'est qu'en fait, vu que là, c'est toujours la bonne stratégie dans les Total War. C'est la bonne stratégie dans les Total War. C'est-à-dire, en fait, en attaquant l'armée qui est en dehors des remparts, les renforts de remparts, la garde de la colonie et tout vont sortir. Du coup, on peut les défoncer sans avoir à besoin de prendre le... sans avoir besoin de prendre la... la... le match. Sans avoir besoin de détruire les remparts. Et on y a perdu, par contre... Je sais pas si tu l'as connu, ok. On va renforcer tout le monde. Voilà. Parfait, et du coup on va pouvoir récupérer des épéistes pour le jeune homme. Voilà, et là par contre c'est super intéressant parce que là on a des vraies armées bien défensives. Et on est absolument juste à côté de Troie. Pédasus. Déphobe. Plus quoi, il y a un protecteur, défenseur dardanien, épéiste intrépide, chargeur, prince troyen, chargeur dardanien, ouais. Il y a le monde. En fait, surtout ce qui est intéressant, bon là après il y a Paris, sur Hector, mais en fait ce qui est surtout intéressant c'est qu'on a un super avant-poste et que là toutes leurs unités qui sortent de là on peut aller les péchoter pour aller les casser en deux. Et ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment vraiment cool. Donc là on a Mytilène. On va chercher Micheline. Ok. Et ben ça avance bien. Et bien je suis persuadé qu'on aura le temps de finir. Demain du coup.
suis persuadé qu'on aura le temps de finir demain. Hop, petit tour. Tac, là-haut, ils s'enjaillent. Oh, s'ils continuent à les attaquer, en plus, c'est bon, ça. C'est bon, s'ils continuent à leur mettre la presse. Tout au nord-ouest de la carte, la ville de Necromanation. Si tu trouves, tu peux y faire un temple d'Hadès. Non, je l'ai, mais je peux pas. Je peux pas y faire un temple d'Hadès, malheureusement. Il n'y a pas de bâtiment spécial dans la ville. Ok, Dardanie, là, quand ça craque en termes de force. Ok, Serpadon qui bat Menalip. Ouais. Ok, ça s'enfuit à toute bringue. Ok, à toutes les armées qui arrivent là. Ah, plus de pack de non-agression avec nous, c'est dommage. Pas très très gentil les messieurs. La colère de Poncedo grandit. Ah, on va bientôt avoir un tremblement de terre. Faut fermer, rapport que le sang est minimalement sèche. Demandez de l'aide. Non, je peux pas avoir moins 3 de relations diplomatiques avec les factions. Allez, on va sauver.